Alhamdulillahi Rabbil Alameen. La louange est à Allah qui est le Seigneur de l'univers. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qul ja'a al-haqqu wa zaqa al-batilu innal batila kana zahuka. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifahu wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Alhamdulillah, la louange est à Allah qui est le Seigneur de l'univers. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Summa Alhamdulillah. Rabbi Ishra li Sodri, wa Yasir li Amri, wa Halul Uqdatan min Lisani, Yafkaw Kawli. Chers frères et sœurs en Islam, chers frères et sœurs en Adam, musulmans, non-musulmans, bienvenue au forum de la DDR. La DDR signifie la Dawa dans la rue. Dawa signifie prédication, prêche. En d'autres termes, appeler les gens à écouter le message de l'islam. Dawa. Et c'est le travail, c'est le devoir de tout musulman. Et c'est ce que les prophètes faisaient. Leur devoir sur la terre, leur rôle sur la terre, le but de l'envoi des messagers et des prophètes, c'est d'appeler les gens des ténèbres vers la lumière. Quelle lumière? L'islam. La soumission à la volonté d'Allah. Naam. Alhamdulillah, nous sommes de retour à la base encore une fois, après une tournée dans le Gontougou. Non. Précisément à Gontougou, nous sommes allés auprès de nos parents. Nous avons reçu beaucoup de bénédictions de leur part. Et nous leur disons merci. Qu'Allah leur récompense. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Nous sommes de retour pour, n'est-ce pas, se ressourcer encore et repartir, Inch'Allah. Avec la DDR, c'est l'islam qui triomphe. Vous êtes témoins tous sur les réseaux sociaux. Les gens ne font que se convertir par la grâce d'Allah. Parce que l'islam, c'est la vérité. On le dit, on le répète. Et c'est pour ça que nous venons, nous ouvrons le forum, nous donnons l'occasion à toute personne qui peut peut-être nous prouver le contraire, que l'islam est la religion du salut. La seule voie du salut pour l'humanité, c'est l'islam. Non. Selon la Bible, selon le Coran, même selon la raison, c'est l'islam. Exactement. La soumission à la volonté de l'éternel Dieu. Non. Nous sommes arrivés avec la grâce d'Allah et Inch'Allah, le jeudi prochain, nous serons en partance pour Issia. Et lorsque nous serons de retour pour Issia, on a au moins deux ou trois jeudis à faire avec vous ici, avant de repartir encore pour Boaké. Et Inch'Allah, quand on va revenir, Boaké, normalement, c'est le 27 octobre. Normalement, si tout se passe bien. Inch'Allah. Donc, avec la bénédiction des parents, avec les doigts que vous faites tous les jours pour nous, la DDR est en train d'avancer. Exactement. Mais pas plus tard qu'hier, le groupe DDR de Londres, je salue le grand frère Doumbia au passage, non. Il a créé le groupe WhatsApp, sinon le groupe existait déjà. Beaucoup de personnes sont déjà sur le groupe WhatsApp de la DDR du côté de Londres. Non. On a également ajouté sur la DDR France, mais la section convertie. Le grand frère Amadou Kiki, Aglassa Lambert, le président, ils ont créé également, pour ceux qui sont convertis avec la DDR, on les a ajoutés dans un groupe en France là-bas, pour pouvoir les enseigner l'islam. Non. Et par la grâce d'Allah, bientôt, très bientôt, il y a un autre groupe WhatsApp qui va être créé, un, pour les musulmans, mais qui ne connaissent rien de l'islam. Non. Il y a aussi ça. Il y a des musulmans, c'est vrai, il est musulman, mais il veut apprendre. Voilà, donc il s'est dit qu'il n'a pas trop le temps. Oh, il faut qu'on ait le temps pour apprendre. Exactement. Donc nous sommes en train de coordonner tout ça. Et lorsque le complexe islamique, Inch'Allah, va finir, tout ça là, Allah va faciliter. Parce que la DDR à Bangourou a son bureau déjà. La DDR Bondoukou aura son bureau très bientôt. Non. Et la DDR Burkina Faso, nous avons reçu deux sites.
deux terrains au Burkina Faso où le complexe va être construit. Tout ça pour former la jeunesse dans l'islam, dans le Coran, dans le fiqh. Ce n'est pas nous qui allons le faire. Mais en même temps, quand vous allez sortir de là, vous devenez des prédicateurs. Parce que tu as là l'école coranique, tu as appris la science islamique, tu as appris tout, tu connais le Coran, tu es un fils du Coran. Si tu es assis à la maison, c'est comme c'est zéro. Il faut que tu matérialises ça, il faut que tu sors pour faire dawa. Et le terrain est vaste. Allah dit, la terre n'est-elle pas vaste pour que vous puissiez immigrer ailleurs? Donc on peut aller partout faire dawa. Allah nous a donné la méthode de faire dawa, surat 16, verset 125. C'est par la sagesse et la bonne exhortation. Appelez les gens au sentier de votre Seigneur. Appelez les gens en islam. Demandez-leur de devenir musulmans. Allah dit, ô homme, entrez en plein dans l'islam. Il nous demande de rentrer dans l'islam parce que surat 15, 2, c'est au jour du jugement dernier que ceux qui ont mécru, ils vont regretter. Déjà, si on savait, on allait devenir musulmans. Maintenant, si tu savais, ok, mais aujourd'hui tu es présent, frère. Tu nous écoutes à travers les réseaux sociaux. Tu viens tous les jours nous écouter. Mais tu es en train de resserrer ton cœur. Parce que pour toi, si tu deviens musulman, que diront tes amis? Que diront ma famille? Le regard des gens, etc., etc., ça t'empêche de devenir musulman. Oh, aujourd'hui, vous savez très bien, les non-musulmans même savent que l'islam est la vérité. Exactement. Mais ils refusent de se convertir pour des raisons qu'ils eux-mêmes ils ont. Voilà, il y a certains pour les intérêts personnels. Il y a des personnes aussi parce que lui, il ne peut pas arrêter de boire l'alcool pour devenir musulman. En sachant très bien qu'ici devient musulman, l'alcool ou le porc, etc., etc., c'est comme s'il venait s'emprisonner. Mais effectivement, la vie ici-bas, c'est une prison pour le croyant, mais c'est un paradis pour le mécréant. Allah dit dans le Coran, ceux à qui une longue durée de vie a été accordée, il ne faudrait pas que ces gens-là pensent que c'est à leur avantage. Allah dit, s'il les accorde un long délai aux mécréants, c'est pour qu'ils n'ont qu'à augmenter leur péché. C'est-à-dire, le gars, il a tout, mais il n'est pas musulman. Il est à l'aise. Il a tout ce qu'il veut et il a une durée de vie. Il pense que c'est un avantage pour lui. Allah dit non, c'est pour qu'il n'a qu'à augmenter ses péchés. Maintenant, si par la grâce d'Allah, il se rend compte que, attends, à un moment donné, il faut qu'on arrête tout ce qu'on est en train de faire là. Et puis on revient vers Allah parce qu'il est pardonneur et miséricordieux. Exactement. Quand nous venons sur le terrain, on lance défi à toute personne pour dire, nous voulons simplement que, venez nous prouver que nous sommes dans le faux. C'est tout. Mais si vous ne pouvez pas le faire, c'est nous qui sommes dans la vérité. D'ailleurs, c'est nous qui sommes dans la vérité, mais nous venons quand même vous demander. Venez. Venez à une parole commune entre vous et nous. Que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer. Il ne faudrait pas qu'on se prenne les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Ceux qui adorent Jésus, arrêtez dès maintenant. Ceux qui adorent Maman Marie, arrêtez dès maintenant. Ceux qui adorent des statues fabriquées par eux-mêmes, arrêtez. Les preuves sont là, bibliquement et coraniquement. Dans le livre de Deutéronome, l'Éternel Dieu dit, tu ne te prosterneras pas devant une image taillée, ni une représentation quelconque, ni en haut, ni en bas, ni dans les cieux, ni sur la terre, car l'Éternel Dieu est un Dieu jaloux. C'est normal. C'est lui qui t'a créé. Toi, tu le laisses, l'Éternel Dieu. Qui est le don? C'est Jésus. Maintenant, entre le don et le donateur, nous devons remercier qui? Le donateur. Nous devons nous prosterner devant qui? Le donateur. Mais pourquoi vous laissez le donateur, vous prosterner devant le don? Question. C'est pas possible. C'est pour ça, les prophètes viennent nous faire le rappel et l'appel. Hein? Les prophètes sont morts, c'est vrai. Jean-Baptiste, selon la Bible, on dit, ils l'ont décapité, coupé sa tête. Ça veut pas dire que c'est un faux prophète. Jamais. Nous étions à Bondougou. Les personnes que les disciples de Kakou Philippe, que Kakou Philippe a envoûté là, on est tombé sur un. Dans le livre de Kakou 9.2, on dit, il dit, la femme est la plus basse de la création. Il dit, chien là, c'est création, créature originelle. Mais la femme, c'est pas créature originelle de Dieu. Donc, un Kakoué, on lui demande, est-ce que chien est mieux que ta maman? Il dit oui. Bon, de toute façon, c'est pas normal. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Inscrivez-vous pour les questions et soyez fiers d'être musulman. Si tu es musulman, voilà, c'est un trésor que tu as. Mais quand si tu t'arranges que le trésor là tombe dans ta main, c'est-à-dire que tu es responsable toi-même de tes péchés. Qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran?
Bibliquement, coraniquement, chacun meurt pour son péché. Personne n'est mort pour pécher, pour pardonner le péché de quelqu'un. Personne. Selon la Bible et le Coran. Pourquoi nous on va pécher quelqu'un d'autre prendre? Non, l'islam dit non. Venez, repentons-nous, venez vers Allah. Il n'y a pas un musulman ici qui ne commet pas d'erreur. Ou bien qui n'a pas péché. Mais le problème chez Allah, ce n'est pas de pécher. Mais c'est de revenir du péché. Exactement. De repentir du péché là. Lui te donne une seconde chance. Et encore, et encore, et encore. Exactement. Mais ne meurs pas dans cette position. Sinon, si tu meurs, tu n'auras aucune excuse devant Allah. Exactement. Voilà pourquoi nous vous appelons à la repentance. Parce que nous aussi, nous sommes des repentants. Nous nous repentons à Allah chaque jour. Exactement. Donc voici un peu la beauté de l'islam. Qu'Allah me donne la bonne compréhension. Alhamdulillah, déjà, si vous êtes. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cette. Inscrivez-vous pour les questions. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Ou bien nous vous souhaitons le bienvenu. Alhamdulillah, ici nous sommes, comme vous le savez, au rappel hebdomadaire de la DDR. Nous étions à Bandoukou. Alhamdulillah, le rappel de Bandoukou. Naam. La population de Bandoukou nous a montré un accueil, nous a donné un accueil chaleureux et Wallahi. Conditionnel. Et. Henri vient vous faire ce compte rendu pour vous dire qu'en tout cas tout s'est bien passé. Alhamdulillah. Et par la grâce d'Allah, là-bas on a appris beaucoup de choses. Oui. On a été comblé de bénédictions, on a été comblé de beaucoup de faveurs. Naam. On a vu la vraie nature du musulman. Comme je le disais, on a vu même des savants. Parce que Bandoukou, c'est, on va dire, c'est la Kaaba même du savoir en islam. Surtout en Côte d'Ivoire ici précisément. Du coup, tous les savants, les véritables savants, les connaisseurs de l'islam, étaient là et nous ont fait preuve d'humilité profonde à laquelle nous avons été frappés. Alors, nous sommes venus vous informer, population d'Abidjan, que vraiment Bandoukou nous a bien reçus. Naam. Alhamdoulilah, on compte retourner, Inch'Allah. Inch'Allah. Dans l'année à venir, Inch'Allah. Et ici, le but. Il y a quelqu'un qui veut adhérer à l'islam. Takbir. Takbir. Alhamdoulilah, donc c'est comme ça toujours. Nous organisons ces forums, ces organisations. Tout ceci est mis en place dans le but de ramener les gens à l'islam. On ne vient pas ici vous faire voir. C'est vrai qu'on se sape pour venir ici, mais c'est pour montrer que aussi en islam, il faut être propre. L'islam recommande la propreté. Mais sinon, le but, c'est pour que les gens se convertissent. Et puis que Dieu nous pardonne, nous qui sommes déjà convertis, là, qui nous pardonne de nos péchés que nous avons commis. Donc déjà, quand on apprend que quelqu'un doit se convertir, on doit être content. Parce que vous tous ici, vous aurez les mêmes mérites que nous. Parce que le fait d'être témoin d'une conversion, tu vois aussi des hasanat, Inch'Allah, qu'à la facilite. Donnez le micro, il n'y a pas quelqu'un pour avoir le micro là-bas. Inscrivez-vous pour les questions. Je rappelle que le jeudi prochain, Inch'Allah, nous serons à Issia. Et nous ne serons pas là. Et l'autre jeudi qui va suivre, Alhamdulillah, nous serons là pour 2-3 jeudis avant de repartir à Bouaké. Et ainsi de suite, San Pedro, Djekanou, Divo, Yabayo, Soublé, Meyadi, ainsi de suite. Exactement. Voilà. Nous disons ici, comme nous le constatons, que Alhamdulillah, déjà les choses se présentent bien. Les choses se présentent bien et nous disons que le rappel, il est profitable. Notre sortie ici, nos différentes sorties ne sont pas fortuites. Donc le but de nos sorties ici, c'est dans le cadre, s'inscrit dans le cadre de la prise de conscience, de l'appel à l'islam, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors lorsque des gens décident d'adhérer à cette cause qui est noble, à cette cause noble, on ne peut que remercier Allah subhanahu wa ta'ala et que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que ces actions à nous soient profitables au jour de la résurrection. Alhamdulillah, nous disons ici, à titre de rappel, que tout musulman ici présent ainsi que les non-musulmans ici doivent avoir une seule chose dans la tête. Avant de retourner à leur domicile respectif, vous devez savoir une chose. Vous qui nous suivez d'un peu de partout, il faut savoir une chose. La vie, elle est courte. Elle ne va pas durer. Mais la vie après cette vie est encore très durable et encore vérité. Voilà pourquoi chaque jour, chaque fois que nous sortons, nous vous rappelons, ainsi que nous-mêmes, que le monde ici-bas est éphémère. Et ce qui est important, c'est la prise de conscience véritable. Non. Alors aujourd'hui, on tenait encore à réitérer encore des paroles. Parce que la répétition est pédagogique. Parce que l'homme, il faut toujours faire le rappel. Il faut toujours le rappeler des choses. Non. Dieu dit, il nous a créés oubliants. Si nous n'avions pas doté de cette chose,
l'homme serait déjà consumé. Alors il est important que, vu que nous avons oublié certaines choses, on soit là pour vous rappeler ces choses. Et la chose que nous vous rappelons, c'est d'adorer un seul Dieu, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Ce Dieu à qui nul n'est semblable, il ne ressemble à rien de ce qu'on peut imaginer. Il est tout sauf ce qu'on pense. Il est tout sauf ce qu'on peut caricaturer. Il est tout sauf ce qu'on peut matérialiser. Et ce véritable Dieu-là n'a pas besoin de nous pour subsister. Il n'a pas besoin de nous pour survivre. Il n'a pas besoin de nous pour que sa gloire puisse resplendir. C'est nous qui avons besoin de lui pour vivre et pour survivre. C'est nous qui avons besoin de lui. C'est nous qui avons besoin de lui pour être en paix avec nous-mêmes. Si nous n'avons pas créé, il restera le même éternellement. Par contre, vu qu'il nous a créé et qu'il nous a imposé sa loi, alors sachant que tôt ou tard, nous allons rendre compte et nous allons répartir vers lui. Inch'Allah. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler à des personnes qui principalement sont un peu confus. Ils sont un peu partagés, souvent même départagés dans leur foi. Quand ils écoutent une personne, automatiquement ils prêtent foi à cette personne, sans pour autant faire preuve de recul, d'analyse et d'intellectuel, sans pour autant faire preuve de savoir-vivre, sans pour autant faire preuve de vérification des Écritures ou de vérification de ce qu'on l'a annoncé. Beaucoup sont des suiveurs, des bénis oui-oui, des gens qui suivent parce qu'il faut suivre, ou bien parce que la parole qu'ils ont entendue, la parole qui les a pénétrés, est une parole qui sort de la bouche de quelqu'un qui est très éloquent. Donc automatiquement, on porte foi à tout, on est prêt à tout croire à la fois. Mais il est important que vous sachiez que celui-là même qui suit sans comprendre, qui ne cherche pas le véritable, qui suit par passion, aura aussi des comptes à rendre. Nous disons ici en Côte d'Ivoire, non? Et ainsi que partout dans le monde, ceux qui nous suivent connaissent la vérité déjà. Ceux qui regardent les vidéos connaissent la vérité. Ceux qui ont vu les échanges depuis des années que nous faisons connaissent déjà la vérité. Non. Et la vérité n'a pas besoin de mux. La vérité n'a pas besoin de bagarre pour se faire voir. Attention. Tout a été détaillé devant vous. Alors vous décidez de suivre qui? Question. Vous décidez d'accepter qui? Vous décidez de faire quoi de votre vie? Vous voulez rester là à dire, je suis né, venu trouver mes parents faire, alors moi aussi je fais. Ou bien, la chose existe depuis des années, ce ne sont pas deux individus aujourd'hui qui vont venir nous faire croire autre chose. Alors nous vous prévenons que nous avons un message à vous adresser ce soir. Croyez en un seul Dieu. Peu importe l'appellation que vous allez lui donner, mais ce Dieu-là, il doit être créateur des cieux et de la terre, non? Et il doit être dépourvu de toute idée idolâtre ou polythéiste. Ce Dieu-là, il ne doit pas ressembler à une créature, parce que lui qui crée, c'est lui le créateur et non la créature. Claire. Le Dieu que vous adorez, aucun jamais ne doit se laisser massacrer par l'œuvre de sa créature. C'est-à-dire, il ne peut pas être massacré par l'œuvre de sa création parce que c'est lui qui a donné force à la création pour que la création puisse exister, pour que la création puisse exercer. Alors lui-même, le créateur, en aucun cas ne peut subir les lois que lui-même il oppose à ses créatures. Donc trouve que c'est inutile de parler de Dieu. Mais pour nous, c'est utile de parler de Dieu. C'est utile de vous avertir sur lui. Parce que tôt ou tard, peu importe les infrastructures, peu importe les projets que vous avez, le moment viendra où tout va cesser. Tout passera, sauf une seule chose. Tout passera, sauf un seul être. Tout passera, sauf une seule parole. Tout passera seul Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux et de la terre, non. Le seul Dieu qu'on doit adorer. Tout va passer. Alors il est important pour vous de savoir que si ce qu'on pense, si ce qu'on vit aussi sur cette terre passera, cherchons à connaître ce qui ne va pas passer. Et accrochons-nous à ce qui ne va pas passer. Lorsque la chose passera arrivera, lorsque le temps du passé viendra, nous on sera toujours en avance parce qu'on sera connecté à l'Éternel qui nous fera vivre aussi éternellement dans son palais, dans son paradis et dans sa bonne dans sa bonne joie. Non. Alors je vous dis, on va lire un verset du Coran qui sera à titre de rappel pour vous tous. Ce verset là, il est important que nous méditions dessus, sur chaque mot qui sera employé.
pour que au moins quand vous allez rentrer dans la maison, vous alliez avec la conclusion que, au final, je dois faire un choix et que je dois assumer le choix que je fais. Et je dois décider, moi, en tant qu'humain, à ne pas me laisser guider par les gens, mais à avoir le meilleur pas. Alors, on va prendre la sourate 2, verset 166 et suite. On va écouter qu'est-ce que Dieu a dit concernant les choix, concernant ce que nous vivons sur cette terre, concernant les personnes qu'on suit. Attention, sourate 2, verset 166. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment. Dieu dit, il arrivera un moment où les meneurs vont désavouer les suiveurs. C'est-à-dire, ceux qui ont commis des actions et vous avez suivi. Ceux qui ont prêché, vous les avez écoutés, vous les avez suivis. Ceux qui vous ont dit de venir adorer un Dieu qui est mort, vous avez entendu, vous n'avez pas réfléchi, vous avez suivi. Ils vous ont dit de vouer votre foi à des créatures que eux-mêmes, à des choses que eux-mêmes ils ont taillées. Ils ont sculpté la chose et ils ont planté la chose. Et eux-mêmes, ils ont voué foi à cette chose. Ils vous ont demandé de suivre. Vous les avez suivis. Dieu dit, il va arriver un moment où ces gens-là, les meneurs, ils vont désavouer les suiveurs en disant, les liens entre eux seront bien brisés. Ils auront entre eux les liens brisés parce qu'ils verront le châtiment vis-à-vis d'eux. On continue la lecture. Et les suivants diront. Et ce jour-là, lis bien, s'il te plaît. Les suiveurs et les diront. Suiveurs diront. Et les suiveurs diront. Ah. Oh, mon frère. Si les suiveurs diront, ah, vas-y. Si un retour nous était possible. Si un retour nous était possible. Voilà ce que nous sommes venus vous dire. Il y aura un moment où les suiveurs, ceux qui ont suivi les gens, parce que ces gens-là criaient fort, ces gens-là avaient des gens, ils faisaient beaucoup de bruit sur la terre. Ces gens-là vous invitaient à aller adorer des créatures. Ce moment viendra où vous-même, vous allez demander à ce que Dieu vous accorde un retour possible. Ce qui veut dire qu'il y aura un moment où tout va s'arrêter. Oui. Il n'y aura plus de retour possible. Pendant que tu es vivant, c'est le moment de choisir. Tu décides de suivre qui? Tu décides de suivre quoi? Tu décides d'adorer qui? Viens répondre, viens répondre. Tu décides d'adorer qui, mon frère? Parce que Dieu dit qu'il va arriver un moment où tu ne pourras plus revenir en arrière. Continue la lecture. Et les suivants diront. Et ce jour-là, les suiveurs aussi diront. Ah. Ah. Si un retour nous était possible. Si un retour nous. À qui tu veux vouer un culte? Veux-tu vouer un culte à une créature? Veux-tu rester dans l'ignorance? Ou bien tu décides de prendre ton destin en main? Tu veux adorer qui? Un. Vas-y, adorer d'être brûlé. Subhanallah. Tu ne crois pas. Parce que tu n'as pas encore vu. C'est sa maman. Si tu lui dis. Mon petit, il y a les vrais morts même qui sont là actuellement. Il va dire c'est faux. Et là, tu n'es pas encore mort. Ça n'existe pas. Frère, si tu veux voir si ça existe, oui. Donne-toi la mort. Il veut gagner les vents. Tu te tues 5 minutes et puis on attend dans 10 minutes, tu viens nous refaire le point. Jamais non. Ah. Donc, si tu sais très bien que tu ne peux même pas, tu n'as même pas cette capacité-là de pouvoir aller vérifier et puis revenir nous informer, alors appuie-toi sur ce que Dieu a déjà dit. Le créateur de la chose, lui qui a déjà vu la chose, qui t'a déjà réservé la chose, il te dit que ça existe. Alors ne doute pas, mon frère. Ne doute pas. Parce qu'il n'aura pas de, retour possible. Pourquoi il n'y a pas de retour possible? Parce que toi-même, tu ne peux pas te donner la mort pendant 5 minutes et puis revenir. Claire. Comme tu n'as pas la capacité de mourir et puis de revenir, nous informer de ce qui se passe, alors attache-toi. Choisis ton camp. Dès maintenant. Choisis de croire, c'est mieux pour toi. Si tu crois et que tu meurs, que ça n'existe pas, tu n'as rien perdu. Au moins, ça t'a permis de vivre de manière paisible sur terre et de respecter l'environnement, de te respecter toi-même. Mais si tu ne crois pas, et que tu meurs, que ça existe, tu fais comment? Tu fais comment, frère? Question. Voilà pourquoi on te demande. Aujourd'hui, là, tu veux adorer qui? Aujourd'hui, on est venu vous demander, vous voulez adorer qui? La créature. Vous voulez adorer personne. Je dis bien personne. Parce que lorsque tu formes un bois, et que tu adores ce bois, c'est personne. Parce que Dieu dit, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Oui. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des mains, ils ne peuvent rien faire.
Et même si une mouche arrache quelque chose de la divinité ne peut pas la récupérer. Alors vous n'adorez rien. Le véritable a dit, dans la sourate 6, à partir du verset 59, qu'est-ce qu'il nous a dit? Celui qui détient les clés de l'inconnaissable. Il dit, c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable, ce que tu ne connais pas. Le Dieu des musulmans dit, parce que souvent on nous dit que vous les musulmans, vous avez un Dieu. D'accord? Nous, notre Dieu, il dit, c'est lui qui détient l'inconnaissable, ce que toi tu ne connais pas, ce que personne ne connaît, lui connaît. Oui. Voilà l'avantage, voilà le critère d'argent, voilà un des critères pour être un véritable Dieu. Voilà un des critères pour lequel nous, quand on écoute, pour lequel, excusez-moi, quand on écoute le Coran parler, on a foi, on croit. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'on connaît l'inconnaissable. Et nous savons très bien que nous, nous sommes des produits finis. Nous ne sommes pas des produits infinis. Nous n'avons pas la science infuse. Mais Allah, il précise que lui connaît l'inconnaissable. Vas-y. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Il détient les clés de l'inconnaissable. Vas-y. Nul autre que lui ne le connaît. Il dit, personne autre que lui ne le connaît. Il vous met au défi. Il dit, à part lui, personne ne connaît quelque chose. Cela me fait rappeler au Dieu que vous adorez là. Non. Votre Dieu que vous adorez. Ils ont eu des moments où ils ne connaissaient pas les choses. C'était chaud. Claire. C'était chaud, cieux. Les gens sont venus demander, mais le bon gars, mais ça finit quand? Question. Dieu dit, c'est lui qui connaît les clés de l'inconnaissable. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire ça finit quand. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a créé à part lui. Créateur de Samsung, c'est lui qui peut dire que le téléphone Samsung ça se garde dans telle année. Jamais iPhone n'a venu dire que ça s'est gâté. C'est pas lui qui a créé. Celui qui a créé sait quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça finit. Alors si tu es un Dieu qui ne connaît pas, quand est-ce que le monde va finir, c'est que lui-même là. C'est que lui-même là. Faut lui demander. C'est que lui-même là. C'est Dieu même. Alors si lui-même il ne connaît pas, non. Quand est-ce que le monde finit, est-ce qu'il connaîtra où toi tu vas aller? On doit réfléchir, les gars. S'il ne connaît pas, quand est-ce que le monde va finir? Est-ce qu'il sait lui-même où lui-même il va aller? Continue la lecture, mon cher frère. Nul autre que lui ne le connaît. Nul autre que lui ne le connaît. Il connaît ce qui est dans la terre ferme. Il connaît ce qui est dans la terre ferme. Vas-y. Comme dans la mer. Même ce qui est dans la mer, les frères. C'est parce que vous ne regardez pas National Geographic. Sinon, vous allez voir que le Dieu que nous en adore là, non. Il y a pas l'homme. Vous ne voyagez pas, c'est ça aussi. Question. C'est ça. Voyageons, les gars. Faut voyager, hein. Nous, on a voyagé avec un gars. En haut, là-bas, là. Quand il a vu les choses, il dit, ouais, Ismaël a quand t'as raison. On doit voyager. Voyager. Allez-y vers la science. Allez-y vérifier pour voir. Non. Il y a des gens qui payent ce qu'on appelle aquarium. Aquarium, là, bon, il y a parlé français, terre à terre. Ceux qui ne connaissent pas aquarium, vous savez c'est quoi? Souvent quand vous partez dans les grands coins, il y a un petit trou où il y a l'eau dedans et puis il y a les poissons dedans, non? Vous voyez les petits trous là, vous voyez, non? Il y a les poissons qui... Un minute, c'est bien. Il y a les poissons qui sont dedans, là. Vous voyez les poissons, ils vivent dans un petit eau là, non? Mais l'eau là, c'est branché. Dès qu'il ils ont branché ça à un courant. Non? Si tu débranches là, les poissons vont mourir. Mais c'est bizarre. Dans la mer, il y a les poissons aussi qui vivent. Mais courant là, c'est branché où? Question. Qui s'occupe des poissons qui sont dans l'eau? Bon, actuellement, votre Dieu, là, lui, il est mort. Il a ressuscité, puis il est monté. Bon, maintenant, les poissons qui sont dans l'eau, là, qui s'occupe d'eux? Posons-nous les vraies questions, les gars. Continue à le dire, mon cher frère. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme. Il connaît ce qui est dans la terre ferme. Comme dans la mer. Comme dans la mer, vas-y, frère. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Yeah! Il dit. Ouais, moi, il nous connaît même. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Alors il dit, il n'y a pas une feuille qui tombe sur la terre. Une feuille, sans que lui ne le sache. Ce qui veut dire, quand tu as volé un portable de la femme, lui t'a vu. Personne ne t'a vu, mais lui t'a vu. Claire. Quand tu t'es caché dans le noir pour faire les choses noires, dans le noir noir là, personne ne t'a vu. Mais lui t'a vu. Il dit, il n'y a pas une feuille qui tombe sur la terre sans que lui ne sache. Hein? C'est lui quand tu es joué. Vous adorez qui? Question. Vous adorez qui? Venez répondre, les gars, venez répondre. Il dit, il n'y a pas une feuille qui tombe sur la terre sans que lui il ne soit au courant. Et d'ailleurs, qui va faire tomber la feuille? C'est lui-même. Vas-y, frère. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Pas une feuille ne tombe que lui ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Hey, il vous a dit ténèbres, non?
Il n'y a pas une graine dans les ténèbres de la terre. Rien de frais ou de sec. Il dit rien de frais ou de sec. Qui ne soit consigné dans le livre explicite. Qui ne soit consigné dans le livre explicite. Continue un peu, la partie intéressante arrive, ça me plaît trop. La nuit. Continue. La nuit. Et la nuit. C'est lui qui prend vos âmes. Nous, on est bizarre quand même. Déjà, on est mort. On est couché là, déjà. Ton âme est partie chez le propriétaire. Je suis un tout bouche en fait là. Déjà, la nuit, à notre âme, c'est dans sa main. La nuit. Tous ceux qui disent abat les âmes là. Ils sont abattus même. C'est que ces bouches ont fait cadeau. Il n'y a rien dans nous. Il dit la nuit, là, quand tu t'es endormi, ta propre gueule, tu es waro. Quand tu invites à venir, tu dis avec les dieux à les laisser. Mais bizarrement, tu te reposes la nuit. La nuit, là, qui a créé ça? Et puis quand tu dors, tu te réveilles matin souvent, tu dis, il a plu. Il a plu, hein. On dit ça tirait hier. Ça tirait. On n'a rien vu dedans, tu étais mort, mon frère. Et puis tu as la grande gueule. Quand tu dors, on dit. Tu n'as pas vu les mêmes ta bouche, il t'a caché à trop. Ouais. Ça est Dieu qu'on a Dieu joué. Tu vas adorer qui? Voilà le Dieu que nous adorons, le voici. Toi là-haut, tu adores qui? Continue la lecture. La nuit. La nuit là. C'est lui qui prend vos âmes. C'est lui. Souvent quand tu pêches, c'est que tu as pêché vers les 20h là. Et puis les minutes, tu as dormi ton kebab parce qu'on dit pas pour. Pour pas y rester dans ce monde là. La nuit, elle va pas me tient pour partir moi. Seigneur, vos sciences où? Quand tu te réveilles fâche, tu es content. Tu dis, il m'a gardé en vie. Ouais, il a sciences. C'est lui, là, du jour. Continue l'actif, mon frère. Et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Il dit, la nuit, quand tu es allé propre, lui, il sait ce que tu as acquis. Tout le diable que tu as eu. Souvent, il dit, viens faire les sept, il dit, lui, il sait. Tu peux rien lui cacher, c'est lui qui t'a donné d'ailleurs. Vas-y. Puis il vous ressuscite le jour. Il dit, la nuit là, il sait tout, et puis le jour là, c'est lui qui vous ressuscite. Vas-y. Afin que s'accomplisse le terme fixé. Ah, mais c'est pas, il dit bien, il n'a pas fait ça pour hasard. Afin que le terme fixé arrive. C'est-à-dire, toi là, tu auras 40 ans. C'est déjà écrit que c'est à 40 ans que tu vas mourir. Donc même quand tu as 30 ans, tu es là avec ton brother là, Dieu il est serré. Oh. Il te regarde, 40 ans, tu vas partir. C'est là, il y en a, ils ont 39 ans, ils célèbrent l'anniversaire. Voilà. Lui, il a 39 ans, quand il doit mourir à 40 ans, il doit mourir l'année prochaine. On est croyable anniversaire. Il célèbre ça. Ton incroyable mort. Mais c'est ça qui t'arrive, qui va t'arriver. Pour faire droit, pour prier Dieu, vraiment, Alhamdulillah. Voilà, il m'a donné au moins 40 ans, 50 ans. Mais aller danser dans ma guise, célébrer l'anniversaire. Oh, tu vas mourir dans l'année prochaine. Notre maman, elle est partie à 96 ans. Voilà, on est tous étonnés, non? 96 ans, c'est beaucoup. Qui va voir 96 ans ici? Mais allez, sa main. Ça, ça serait compliqué. Hein? On souhaite. En tout cas, on souhaite. On souhaite. Mais Dieu dit, même si tu es dans 96 ans, au final, là, tu ne vas pas servir à quelque chose. C'est pour venir fatiguer les enfants, ils vont mettre bagarre dans ta bouche. Donc même si tu veux durer sur la terre, tu veux durer, c'est pour ne rien faire. Un vieux de 100 ans, tu es sûr que lui peut derrière ballon rond. On lui explique. C'est qu'il y a un débat, il demande qui joue ici là. On dit c'est Messi, papa c'est Messi. Il ne voit plus. Quand on donne longue vie. Amen. Surtout dans son adoration. Dans sa soumission et qui nous donne la mort dans l'islam. Amen. À la fin de nous, les musulmans sincères et pieux. On va s'arrêter là pour l'instant. On nous fait signe que le scanner il boue. Alors, ouvrez le scanner, soyez les bienvenus. Parce qu'on a béni des bondoukou. Toi, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Juste un rappel, le jeudi prochain, nous ne serons pas là. Nous serons en partance pour Issia, par la grâce d'Allah. Et quand on revient, on sera avec vous pour 2-3 jeudi. Et ensuite, le 27 octobre, nous partons pour Boaké. Et quand on revient, Inch'Allah, du 1er jusqu'au 10 ou 15, nous serons en Guinée. Population de la Guinée, c'est confirmé, nous arrivons là-bas avec la grâce d'Allah. Sigiri, Conakry, Zérékouré et encore, voilà, les autres villes, on vient, Inch'Allah. Salam alaikum, scanner. Salam alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Yoruba, allez la demander pour sa question. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustad Diané, j'ai pas une question à poser. D'accord. J'ai pas une question à poser. Je suis venu seulement dire ma fierté à tous mes frères et soeurs qui sont ici d'être musulmans. Je suis un jeune bété, je suis Dissia. J'ai été converti il y a de cela 5 ans.
Et je précise que j'ai été converti par amour. Par amour d'une fille. Oui, par amour. Je suis fier. Et amour. Quand oui. Tu tiens. Oui. Mais il est resté quand même là. L'amour qui est Dieu. Oui, par amour. Ismaël Isaac. Non. Et Ismaël Aka. Oui. Vraiment. Ma bébé, mais la prendre prend de temps sur moi. Ismaël Aka. Non. Vraiment, je tenais à te dire merci. Alhamdulillah. Parce que quand j'ai été. Exactement. Je n'avais aucun argument. Non. Et Dieu a fait grâce, je suis tombé sur vos vidéos. Allah. Et depuis ce jour, j'ai tellement cherché à vous croiser. Non. Et aujourd'hui, je suis la seule fierté. Voilà ton frère. Nous voilà. Salut ton frère. Voilà, salut ton frère. Voilà. Non, ça fait plaisir. Oui. Merci beaucoup. J'ai seulement un petit pincement au cœur. Parce que il y a seulement 5 ans que je suis musulman. J'aurais bien voulu être musulman depuis ma naissance. Allah Akbar. J'ai tellement perdu beaucoup de choses. Allah Akbar. Je vous le dis, mes frères et sœurs, j'ai Allah. Tellement perdu. Allah. Et aujourd'hui, j'ai mal de voir nos frères et sœurs qui sont nés dedans. Non. Aujourd'hui, à cause de mon regard, l'islam, d'un mauvais œil. C'est tellement, j'ai mal de vous le dire. Comportement. C'est la vérité. Non. Moi, ça me fait 5 ans. Mm-hmm. Et mais je vous le dis, tenez-vous bien, je vais vous dépasser. Inch'Allah. Parce que je suis pas fier. Je suis fier d'être musulman. Allah. Soyons fiers d'être musulmans. Il n'y a rien. C'est-à-dire que nous, les musulmans, non. On a les réponses. Exactement. Eux, ils ont les questions. C'est ça. C'est eux qui souffrent. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Mais là, non, mais c'est la vérité. Nous, on a les réponses. On a les réponses. C'est dans les questions. C'est pas faux, c'est pas faux. Voilà. Donc, Ismaël Aka. Non. Vraiment, je suis fier. Merci beaucoup. Quand je suis fier. Au travers de toi, c'est vrai que l'islam, c'est la religion de l'universel. Non. Au travers de toi, au travers du groupe Mouredine Jama aussi, qui sont des jeunes Goulot, Agni. Mm-hmm. Mais je pense que vous qui êtes nés dedans là. Hein, c'est vous qui devriez faire ça. Voilà. Et puis nous, on va vous voir pour venir. Ouais. Mais quand vous êtes là comme ça, écoutez Ismaël Aka. Mm. Quand vous rentrez chez vous à la maison, qu'est-ce que vous faites? Question. Qu'est-ce que vous faites? Je tenais à vous le dire. Vous qui êtes né dedans là, qu'est-ce que vous faites? Donnez une bonne image de la religion. Exactement. Donnez une bonne image de la religion. Ne soyez pas des musulmans de Ramadan. J'ai mal au cœur. Ouais. Quand moi je vais dans la mosquée, les mosquées sont vides. C'est ça. Mais quand on dit Ramadan, c'est rempli. Alléluia. Et puis, j'ai constaté, quand ils viennent à la mosquée pendant le Ramadan, mm-hmm. Faut regarder ici là. C'est très complet. Ouais. Ça veut dire qu'il y a longtemps, ils ne viennent pas à la mosquée. C'est pas bon. Je voulais vous donner une petite image. Vas-y, frère. Je voulais quand même saluer l'imam. Mohamed Lamine de la mosquée de cette technique est mon père spirituel. Non. Il nous a donné comme ça dans un sermon pour dire qu'il y a un couple musulman qui était en palabre mm-hmm. et ils ont appelé l'imam pour venir régler le problème. Non. Alhamdoulilah, l'imam est venu, tout s'est bien passé. Mm-hmm. En partant à la maison, la compagnie, il y avait un billet de 5 000 n'est pas là. Il a disparu. Et ils ont passé leur temps. Ça, c'est vous, mes frères et sœurs. Écoutez-moi bien. Ils ont passé leur temps à dénigrer l'imam. Alors que l'imam, il s'est dit, bon, comme c'est des musulmans, ils vont lire le Coran. Donc en partant, pour ne pas que l'enfant joue le pied de 5 000, il a mis sa pas au milieu, à la première page du Coran. Non. Et il est parti. Le trésor était là. Dans le Coran. Le trésor était là. Comme ils ne lisent pas. Ils ont gardé le nom de l'imam jusqu'à l'imam a failli être sanctionné. J'ai vu ça. Donc quand il a appris, il est venu, il dit bon, donnez-moi le Coran. Mm-hmm. Dès qu'il ouvre la première page du Coran, les 5 000 francs sont là. Kabako. C'est pour vous dire quoi? Vous applaudissez quand Oustad Diallet dit le musulman rentre au paradis. Mais le paradis là, ça y est à vos côtés. C'est mais ça. Qu'est-ce que vous faites pour rentrer là-bas? Question. Il ne s'agit pas de venir écouter Ismaël Aka et de partir à la maison. Exactement. Ton pied de 5 000 est dans ton Coran. Mm. Prends seulement le Coran, lis, tu vas trouver ton pied de 5 000. C'est tout. Mais au lieu de ça, ils ont vilipendé l'imam. Donc, mes frères et sœurs, soyons fiers. Moi, je suis fier. J'étais chrétien. Mm-hmm. J'ai passé près de 40 ans là-bas. Mm-hmm. Mais ça ne rentrait pas.
Ça ne rentrait pas. J'occupais les banques cadeaux. J'occupais les banques cadeaux. Mais par amour pour cette fille-là, non. Mes yeux, comme on le dit, sont déjà. Ah, je vois la vérité. Je vois la vérité. Je suis bien aujourd'hui de me retrouver parmi vous. Voilà. Non. Ne soyez pas des musulmans d'ici. Soyez des musulmans partout. Excellent. Au travers de vos comportements. Non. Au travers de votre manière de venir à la mosquée. Non. Au travers de votre manière de lire le Coran. Exactement. Moi, pour le moment, je ne parle pas arabe, mais je lis le Coran. Déjà ici, là, combien de personnes lisent le Coran? Question, hein? Combien? En français seulement, en français. Combien de personnes? Faut pas les laisser, faut mettre transmis. Amusez-vous, nous on est venus, on va vous dépasser. Inch'Allah. Ismaël Aka vous a déjà dépassé. Noureddin Jamal vous a déjà dépassé. Moi, je m'appelle Bilal. C'est le nom que ma femme m'a donné, Bilal. Je vais vous dépasser. Je vous lance un défi. Je vais vous dépasser. Merci beaucoup. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Vraiment, merci beaucoup. Je suis fier d'être musulman. Je suis fier d'Ismaël Aka. Je suis vraiment fier de vous. Vraiment, qu'Allah même vous bénisse. Amen. Au travers de vous, que les conversions continuent. Amen. Voilà. Donc, merci beaucoup. Il n'a pas venu poser la question. Inch'Allah. Il n'a pas de question à poser. C'est quand nous on rentre ici, ça vous dit qu'on est fiers. C'est tout. Merci beaucoup. À la prise. Anche. Vraiment, ces paroles-là sont profondes. Merci beaucoup. Monsieur Michel est demandé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui soit satisfait de nous. Monsieur Michel est demandé pour sa question. Alhamdulillah. Ah, on rappelle que la sœur qui voulait se convertir, elle s'est convertie, mais elle n'a pas voulu parler dans le micro ni voilà, devant les caméras. Donc, en tout cas, la conversion s'est déjà faite, Inch'Allah. C'est l'essentiel, c'est de se convertir. Voilà, c'est le plus important. Ça siffle là. Allons à Insana. Tu adores qui? C'est la question d'aujourd'hui. Allons-y. Oui, bon arrivée, frère. Doucement. Il faut désorienter un peu. Bon, je vous ai plusieurs fois écouté dans votre prêche. Et vous prenez le passage de Deutéronome 18. Pour dire qu'il s'agit du prophète Muhammad. Moi, je voulais comprendre pourquoi vous dites qu'il s'agit de Jésus. De votre prophète. Non, on dit c'est Mohamed. Voilà. C'est tout. Maintenant, quand tu dis c'est qui? Ouais. Moi, je voulais savoir pourquoi vous dites que c'est. Oui, parce que c'est lui, ça cause, ça vous dit que c'est lui. C'est vrai, c'est lui. Et on dit c'est lui. Maintenant, on a donné pour nous. Pas possible de donner pour toi, c'est qui? En fait, ce que je veux vous dire, c'est quoi? La Bible là. C'est pas un roman, non? La Bible ne se comprend pas de façon littéraire. On sait ça, c'est pas le Saint-Esprit et tout ça. Voilà. La Bible, là, la Bible s'explique elle-même. Tu comprends? Le prophète de Deutéronome, là, c'est qui? Voilà. C'est Mohamed. C'est qui? Ça vous dit quoi? Quand on prend un passage de la Bible, là, on cherche d'abord à savoir c'est de quoi on parle à travers les passages bibliques. En fait? Mais on se lève pas comme ça pour donner son avis personnel. Ou fais-tu le verset? Ce que je veux dire. Si toi tu dis par exemple, moi je dis par exemple, Allah c'est mon Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Si toi tu dis, mais pourquoi vous dites dans telle sourate que c'est Allah qui est mon Dieu? Je dis oui, c'est parce que c'est lui. À toi maintenant de contre-attaquer pour dire non, j'ai bien, c'est pas lui, mais c'est telle personne. Voilà. Voilà pourquoi moi je coupe court. Nous on dit c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant toi tu dis. Quel est le point lui? Je ne sais pas. Mais quand tu as dit que. Allah est ton Dieu. Tu as cette vue dans le Coran où Allah est dit qu'il est le Dieu tout puissant, créateur du ciel et de la terre. Donc tu as vu une écriture où tu vas croire que Allah est ton Dieu. Donc tu ne t'es pas levé comme ça de toi-même pour dire que Allah est ton Dieu. C'est pourquoi il y a lu Deutéronome 18 là. Donc, moi il dit c'est Mohamed qui est cité dans Deutéronome 18 dans le Dieu. Sur quelle écriture tu te parles? Selon le texte même. Dans le texte même. Voilà, maintenant comme c'est pas lui, il faut que toi tu dises c'est qui. Je voudrais d'abord qu'on lise le passage. C'est mieux. Deutéronome 18. C'est pas grave. Allons-y.
Je les susciterai du milieu de leurs frères. Un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. On t'écoute. Jean 1, verset 45. Jean chapitre 1, verset 45. Scanner, ceux qui veulent poser des questions, préparez-vous. C'est pas bon, hein? Jean 1, 45. Ah. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Ah. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. C'est clair. Dieu a parlé à Moïse et Moïse a relaté les paroles de Dieu à son peuple, au peuple plutôt, à Israël. Vous voyez. Et Moïse a écrit, ce qui fait que nous, aujourd'hui, on voit l'écriture de Moïse. Et maintenant, Philippe nous confirme que ce dont Moïse, celui de qui Moïse parlait dans la loi, là, il s'agissait de Jésus. Donc, on ne veut pas dire que Deutéronome 18 parle de Muhammad. Donc, c'est de Jésus on parle. Le problème, c'est quoi? En fait, nous, on dit que ce n'est pas Jésus. Le critère qui est donné dans Deutéronome, là, on dit il sera comme Moïse. Jésus n'est pas comme Moïse. Jésus est Dieu pour certains. Il n'est pas comme Moïse. Jésus n'a pas de papa. Il n'est pas comme Moïse. Il n'a pas de papa. Il a une maman. Il n'est pas comme Moïse. On dit le prophète là sera comme Moïse. Mais attends, quand on regarde là, selon nos critères que nous on donne là, attends maintenant peut-être de monter ce critère là. Mais les critères sont quoi? C'est que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, et Allah, et l'éternel Dieu dit dans la Bible, du milieu de leurs frères, Isaac et Ismaël sont des frères. Ça fait un. Ismaël, c'est son frère qui est Isaac, son non, petit frère. Non. Quand il dit du milieu de leurs frères, il s'agit d'Ismaël et Isaac. Il s'agit des Juifs. Des Juifs, non? Oui. Justement. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Maintenant, comment il dit ceci? Toi, tu es d'accord d'abord. Parce qu'il faut qu'on soit honnête. Hein. Tu es d'accord que le prophète dont on parle dans Deutéronome, c'est Jésus. Donc Jésus est prophète. Oui, moi. Oui, mais donc Jésus est prophète. Oui, c'est prophète. Il n'est pas Dieu, il est prophète. J'ai jamais dit qu'il est Dieu. Non, je vais me rassurer. Oui, oui. D'accord. Oui. Alors que si Jésus est prophète dans Deutéronome, il n'est pas comme Moïse. Je répète, Moïse, il a papa, il a maman. Mohammed sur la salam, il a papa, il a maman. Moïse, il n'est pas né miraculeusement comme Jésus. Jésus est né miraculeusement. Mohammed sur la salam n'est pas né miraculeusement. Selon la même Bible, c'est les Romains qui ont crucifié Jésus. Mohammed est mort naturellement, Moïse est mort naturellement. Moïse a vaincu Pharaon, Mohammed sur la salam a conquéri la Mecque. Jésus a été chassé de chez lui, mais il n'a même pas pu vaincre chez lui. Il y a beaucoup de choses. Moïse avait des enfants, Mohammed sur la salam il avait des enfants. Jésus n'avait pas d'enfants. Moïse était marié, Mohammed sur la salam était marié. Moïse, Jésus n'était pas marié. Et il n'est plus paru en Israël un prophète comme Moïse en Israël. Et moi j'aimerais ajouter quelque chose. Moi j'aimerais ajouter quelque chose. Non, je veux d'abord dire une chose. Vas-y. Tu as pris tout de suite la vie de Moïse, n'est-ce pas? Tu as comparé Moïse à Jésus en prenant leur vie. Mais il ne s'agit pas de cela. C'est ce que moi, c'est là-bas que je voulais en venir. Je viens. C'est là-bas que je voulais en venir, quoi. Non, je viens. Allez-y. Tu sais, Dieu, là, à travers. D'abord, il a commencé avec Israël, son peuple, qui était en Égypte. Mon peuple, pour sauver mon peuple de l'Égypte et de le conduire à Canaan. Tu vois, non? Cette action que Dieu a fait à travers, Dieu a dit, je suis descendu moi-même sauver mon peuple. Or, c'est qui on voyait? C'est Moïse, on voyait. Donc, quand Dieu dit, je vous citerai du milieu de vous un prophète comme Moïse là, il s'agit ici de sauveur d'Israël. Tu vois, Moïse avait pour mission de sauver Israël et de conduire Israël à Canaan. Tu comprends? Canaan, ça prophétisait le paradis, le ciel, le paradis. La terre promise, quoi. Voilà. Donc, quand Dieu a cité Moïse pour conduire Israël à Canaan, c'était une prophétie qu'allait venir faire Jésus de sauver Israël. Tu comprends, non? Donc ici, tu peux prendre la vie de Moïse et la vie de Jésus pour comparer, pour dire que non, c'est pas la même chose.
Il s'agit ici de la mission. Sauver Israël. Il est de vous un sauveur. Le s'agit ici de sauveur d'Israël. Il ne s'agit pas de la vie. C'est pas la vie qu'on va regarder pour boutique. On est venu sauver les enfants d'Israël pour les amener où? Au paradis. Donc ça, cela veut dire que ceux qui ont suivi Moïse, leur objectif n'était pas d'aller au paradis, mais c'était d'aller à Canaan. Hein? Faut parler dans le micro. Canaan, c'était la terre promise. C'est une terre promise, voilà. Le but de, selon toi, le but de Moïse, c'était de venir faire sortir les enfants d'Israël pour les envoyer à Canaan et non au paradis. C'est ça. Canaan prophétisait le paradis. Maintenant, ce paradis-là, c'est Jésus qui est venu envoyer les gens là-bas. Quand Moïse a commencé dans lui sa mission, c'était de les prendre, de les envoyer à Canaan. Et non au paradis. Maintenant, ce que je te dis, c'est que quoi? Canaan, là, ça prophétisait le paradis. Oui, d'accord. Si ça prophétisait le paradis, je ne dis pas que. Mais est-ce que Canaan est le paradis? Non, ça prophétise le paradis. Donc, ce qui veut dire, le but de Moïse seulement, c'était de prendre les gens là pour les envoyer à Canaan. Maintenant, je veux savoir. C'était pour les prendre, pour les envoyer à Canaan et non au paradis. Alors, il dit, ce qui concerne la prophétie du paradis, c'est Jésus qui vient accomplir ça. C'est ce que tu as dit. Ce qui concerne la mission prophétique du paradis sur Canaan, c'est Jésus qui vient l'accomplir. Donc ce qui veut dire, quand Moïse était là, personne n'allait au paradis, sauf quand Jésus vient pour amener les enfants d'Israël au paradis. Je ne suis pas pour moi. D'accord. Maintenant, on va revenir. Je ne comprends pas où tu dois venir en fait. Maintenant, on va y revenir. On va laisser ce côté-là. Parce que c'est un peu lourd. Je vais descendre. Frère, Deutéronome 18:18 n'est pas le seul verset qui annonce la venue du prophète Mohammed. C'est pas le seul verset qu'on peut prendre comme verset argumentaire. Si vous dites que ça ne parle pas de Mohammed ou bien ça parle de Jésus, on dit ok, c'est pas grave. Le but, c'est de savoir est-ce que le prophète Mohammed a été annoncé dans la Bible. C'est ça le vrai débat en fait. Est-ce qu'il a été annoncé dans les écritures anciennes? Dans le même Deutéronome là, on va lire Deutéronome 33, tu vas voir quelque chose. Deutéronome 33 à partir du verset 1er. Vas-y. Voici. La bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Frère, il faut regarder. Souvent vous dites, comme le message s'adressait aux enfants d'Israël, donc en aucunement ça peut concerner le prophète Mohammed. C'est ça le problème, c'est ça non? Vous dites, la plupart du temps vous dites, comme Moïse parlait aux enfants d'Israël, il faisait des promesses aux enfants d'Israël. C'est ce que tu as dit. J'ai dit, dans votre compréhension, vu que Deutéronome 18, quand Moïse parlait, mais quand Dieu parlait à Moïse, il dit, je susciterai un prophète d'entre tes frères. Donc il s'agit des enfants d'Israël. C'est les enfants d'Israël, non? Toi-même, tu es perdu dans la fête. Les bénédictions que Moïse a faites, c'est pour les enfants d'Israël, non? Deutéronome 18, c'est pour les enfants d'Israël. Oui. C'est pas ça. Tu as pris Luc 1, 45 pour confirmer. Jean 1, 45 pour confirmer. C'est pour les enfants d'Israël. Il faut bien écouter Deutéronome 33. Tu vas voir qu'on peut s'adresser à un peuple, mais pour une chose qui dans le futur ne convient pas seulement qu'au peuple, mais à tout le monde. Tu vas voir. Tu dis qu'on ne pas. Maintenant, on voit si c'est Mohammed. Frère, quand même, tu vas témoigner que c'est Mohammed là. Or, c'est pas écrit Mohammed, mais tu vas témoigner que c'est Mohammed. Inch'Allah. Si elle veut comprendre. Je vais t'amener à lire un verset, non. À cause de Deutéronome 18:18 là, on va lire un verset qui va t'amener à comprendre que quand on dit que Mohammed a été annoncé dans les Écritures là, ce n'est pas que Deutéronome 18:18. On va lire Deutéronome 33. Mais dans même Deutéronome, c'est la loi. Allons-y. Il dit. Reprends. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Tu vois, non. Moïse, on dit voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Frère, quand Dieu dit, par exemple, quand Moïse dit, l'Éternel est venu du Sinaï, je veux savoir, ça symbolise quoi, Sinaï? C'était la montagne. Pardon? La montagne. Quelle montagne? La montagne où Dieu a donné la loi. À qui? À Moïse. Donc cela veut dire que quand Moïse dit Dieu est venu du Sinaï, c'est-à-dire qu'il s'est révélé à quelqu'un dans le mont Sinaï. Donc c'est qui? Moïse. Sinaï c'est Moïse. On est d'accord? Sinaï c'est la montagne. Oui, je veux dire ça. Je veux dire le symbolisme c'est de Moïse, il veut parler. Quand il dit Dieu s'est révélé. Attends, frère. Quand il dit
L'Éternel s'est révélé de... Ah, reprends la lecture, frère. Reprends. Il dit. L'Éternel est venu du Sinaï. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est venu du Sinaï comment? Ça veut dire quand l'Éternel s'est révélé du Sinaï. Ça veut dire que c'est sur la montagne Sinaï que Dieu s'est révélé à Moïse. Donc ça concerne? Ça concerne Moïse, non. Faut faire simple, ça concerne Moïse. C'est un symbolisme. Ça veut dire, quand Dieu dit il s'est révélé du Sinaï, ça veut dire il s'est révélé comment? En donnant une loi à qui? À Moïse. Donc c'est de Moïse qu'on parle en fait. Le mot Séi réfère à Moïse. Sinaï. Le mot Sinaï ici, c'est Moïse. Je n'ai pas dit que c'est la personne de Moïse. Hein. C'est la révélation qu'il a reçue là. Ça symbolise que Dieu s'est révélé à un prophète à Sinaï. C'est pas la montagne là il a parlé, c'est à l'homme il a parlé là-bas. L'homme là c'est qui? C'est Moïse. Voilà, donc il dit Sinaï, il veut parler de Moïse. Il va parler de la montagne, mais il veut parler de ce qui s'est passé. Voilà. Voilà, c'est ça il veut parler. Donc ça parle de Moïse. On est d'accord non? Sinaï parle de qui? Répète après moi. De la révélation que Dieu a donnée à Moïse. À Moïse. Donc ça parle de Moïse. Prochain verset. Et prochain. Prochain verset, allons-y. Il s'est levé sur eux de Séir. Voilà. Il s'est levé sur eux de Séir. Frère, quand on dit Dieu s'est levé sur eux de Séir, est-ce que tu connais ce que Séir signifie? Séir, tu ne sais pas ce que ça signifie. D'accord. Moyen de donner, et puis après, j'allais vérifier. Séir, actuellement, c'est l'actuel Jérusalem. Ça veut, ça, aujourd'hui, ça symbolise que Dieu a une révélation à quelqu'un à Jérusalem. Et c'est qui? Selon tous les savants chrétiens, dit c'est Jésus. Tout le monde est d'accord que c'est Jésus. Tu es d'accord, non? C'est Jésus. Troisième chose. Continue. Il a resplendi de la montagne de Paran. Maintenant, on dit, Dieu là, il a resplendi maintenant de la montagne de Paran. Frère Saint, montagne de Paran, là, c'est où? Tu ne peux pas savoir. Voilà, tu ne peux pas savoir. En fait, vous rentrez, mais vous ne savez pas. Tu ne peux pas savoir, tu sais pourquoi? Parce que si vraiment tu vérifies, la montagne de Paran est dans la Bible. Tu as le verset? D'abord, tu bloques Abakou 3:3, mais je vais te rappeler l'événement. Je vais te rappeler l'événement des parents. Tu vas te rappeler. Même si tu ne veux pas, au moins, tu vas te rappeler bien. Quand Agaï. Frère, Dieu a cité. Je vais te montrer quelque chose. Dieu a cité Moïse, qui symbolise Moïse, où il s'est révélé à Moïse. Il a cité Séi, où il s'est révélé à qui? Jésus. Maintenant, il a cité Paran. En fait, ça va Paran là. C'est qui? C'est où? Et puis c'est quoi? Maintenant, moi, je te rappelle à l'histoire. Comme tu dis, tu ne connais pas Paran, je vais t'aider. Je vais faire ça terre à terre. Lorsque Agar, selon la Bible, a été chassé par Abraham avec son fils Isaac, et Ismaël plutôt, il les a envoyés dans un désert. Désert, on appelle ça comment? S'il vous plaît. Même le on a trop de questions aussi à prendre. D'accord. Donc je t'explique. Vu que tu connais pas, je t'explique. Non, c'est donc, pas que je connais pas, c'est que tel est. Mais j'ai pas prévu ce que tu me dis là. Je sais pas en fait où tu dois venir. Mais faut répondre seulement là, tu vas savoir où je vais venir. Je vais pas répondre. J'ai dit, Paran là c'est où? Qui l'a chassé Agar? Elle est partie dans le désert de quoi? Ça c'est un autre débat. Moi c'est pas en fait où tu dois venir. Je t'explique maintenant. Moi je réponds pas à toi, tu parles. Voilà, je t'explique. Voilà, c'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu a cité ces trois endroits-là, ces trois endroits-là représentent trois prophètes, mais trois révélations. Première révélation à Moïse sur le mont Sinaï. Deuxième révélation à Séi par Jésus. Troisième révélation par le désert des parents. Qui a vu jour? Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert des parents? Lorsque Abraham chasse Agar, selon vous dans la Bible, elle va se réfugier dans le désert des Paran avec qui? Ismaël. Ismaël, maintenant, selon la Bible, il va grandir dans le désert des Paran et Dieu sera avec lui. Qui est descendant d'Ismaël? Par Abraham, par qui Dieu a fait une révélation après Jésus? Qui est descendant d'Ismaël par Abraham, par qui Dieu a fait une révélation après Jésus? Vous voulez voir? Prochaine question. Je vais pas finir. 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 Je vais pas de quoi. Au fait, non. Le thème, sinon l'histoire, selon Ismaël, là, je ne maîtrise pas. Tu vois. Donc, quand tu me poses cette question,
qui a rapport avec Ismaël là. Moi, je ne sais pas. Maintenant, tu n'as même pas besoin de savoir même. C'est une question simple de poser. Il dit. C'est une question qui a rapport avec Ismaël. Ouais, c'est... Donc toi, tu es chrétien, non? Oui. Tu ne sais pas qu'Abraham a eu deux enfants. Je sais ça. Qui est Biggie? Abraham même n'a pas eu deux enfants. Non. Bon, d'accord. D'abord, Abraham a eu huit enfants. Non, frère, il n'y a pas les deux enfants des deux enfants connus sur, mais les deux enfants de la promesse, mais les enfants à qui Dieu a fait bénédiction officiellement. C'est de ces deux qui lui parle. C'est qui est Biggie? Les deux enfants, ils sont venus deux postérités. C'est qui est postérité? Isaac et Ismaël. Alors donc, pourquoi tu dis Isaac et Ismaël? C'est dans la Bible. Non, c'est Ismaël et Isaac. Bon, pardon, monsieur. Peu importe. Non, Ismaël, c'est important. Et... D'accord. Ismaël et Isaac. Donc, d'accord, donc Ismaël et Isaac, non. Oui. De Isaac est sorti qui? Jésus, non. Oui. Dans la postérité, là. De Isaac est sorti qui? Jésus. Maintenant, de Ismaël est sorti qui? L'histoire qui est jamais. Donc, c'est bon, au revoir, c'est bon. Tu vas jamais répondre à ça. Bon, d'accord, laisse-le. De Ismaël est sorti qui? Ismaël était l'ancêtre de Pharaon, non? Il était pas de ça. Il dit de Ismaël, de Isaac est sorti qui? T'as répondu tout de suite, non? Tu dis Jésus, non? Les Juifs, bon, les Juifs. Jésus, c'est clair. De Ismaël est sorti qui? Les Juifs. Ismaël a aussi, les Juifs sont là. Frère, qu'est-ce que je vais te dire? Oui, tu vas venir. Qu'est-ce que je vais t'amener à comprendre? Je vais t'amener à comprendre que les traces du prophète Mohammed sont visibles, sont palpables devant tes yeux. Dans la Bible, sauf que tu refuses de voir. Parce que tu reconnais que Abraham avec Isaac et Ismaël. Tu reconnais ça, hein? Et tu sais très bien que de la postérité d'Isaac est sorti Jésus. Mais tu refuses de dire de la postérité d'Ismaël est sorti qui? Tu refuses de dire. En fait, je ne refuse pas, mais je ne sais pas. En fait. Tu ne sais pas. On ne sait pas comment c'est. C'est bon. On va poser une question. C'est pourquoi il dit laissons là-bas. Parce que. Comme tu ne sais pas, donc tu. Non, si on ne t'explique pas aussi de le nom du Jésus. Tu parles de Ismaël. Ou bien, tu parles de Ismaël. Sois honnête. Et puis, soyons clairs. Tu parles de Ismaël. Je ne dis pas que c'est faux ou c'est pas la vérité. Mais cette histoire-là, dans la Bible, je n'ai pas compris. Quand tu ne sais pas où laisser. Donc maintenant, je pose ma prochaine question. Voilà, propose ta prochaine question, on prend quelqu'un d'autre à la Bible. Quand tu ne sais pas, je ne dis pas que voilà, la possibilité de Ismaël là, la Bible parle pas c'est de ça. C'est bon, laissons ça. Tu dis quoi? Tu dis que tu ne connais pas la Bible pour aller ça. Je ne sais pas qu'on fuit ça dans la Bible. Donc tu es tête. Voilà. On a dit que la Bible n'a pas dit. C'est simple. Voilà, donc passe à votre question. Donc, qu'est-ce que je te réponds pas là? C'est bon, laissons. Tu dis que tu connais pas, non? Laissons. On a tellement de personnes à prendre. Vous dites que Muhammad est le sauveur de l'humanité et Jésus est le sauveur d'Israël. Le salut de Jésus se limite seulement qu'à Israël et Muhammad est venu apporter un salut à toute l'humanité. Mais ce que je veux savoir, hein, puisque Israël aussi est dans l'humanité, donc je veux savoir s'il y a un verset coranique qui dit que Muhammad est venu pour toute l'humanité qui enlève Israël. Alors, tu fais la grâce. En fait, je viens. Vous dites que Muhammad, Muhammad est le sauveur de toute l'humanité. C'est vrai. Et que Jésus, selon vous, est le sauveur d'Israël. C'est pas selon nous, c'est notre. Il est venu sauver les enfants d'Israël. Mm-hmm. On ne disconnaît pas cela. Mm-hmm. Vous voyez. On ne discute pas cela. Mais puisque Israël aussi est inclus dans l'humanité, faut ouvrir. C'est vrai. Voilà, donc je veux savoir maintenant, si Israël est inclus dans l'humanité là, je veux savoir aussi si Muhammad est aussi sauveur d'Israël. Oui, mais on dit l'humanité. On dit l'humanité, non. Israël est dans l'humanité. Comment tu dis bien Israël est dans l'humanité? Et puis demande si Muhammad est sauvé aussi. Donc Muhammad est venu sauver toute l'humanité, voilà. Israël aussi y compris Israël. Ou... Donc Muhammad aussi est venu pour Israël. Aussi. Même le monde, même à Djamé, à Djamé, en Guinée, au Grand Péo. Dans le monde est dedans. Attends, il n'a pas encore fini à donner. Il n'a pas encore passé qu'on les a chassés. Mais toi, fais vite, parce qu'il y a beaucoup de gens sur la liste aussi. Fais vite, allons-y. Oui, il est venu sauver aussi les enfants d'Israël aussi. Oui. Les enfants d'Israël aussi. Oui. Il est venu sauver aussi. Les Ivoiriens aussi. Tout le monde, sans exception. Ok. Oui. Maintenant, vous dites que
Jésus là, sa mission était venu sauver les enfants d'Israël. Oui. Ça là, on n'en discutait pas. Nous les chrétiens là, on ne dit pas que c'est faux. D'accord, on a compris. Voilà, c'est la vérité. D'accord. Mais ce que je vais vous expliquer, c'est quoi? Quand Dieu a envoyé Jésus en Israël là, hein, la Bible dit quoi? La parole est venue sur les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quelle est ta question? Vous savez. C'est quoi ta question? C'est quoi ta question de personne? Trop duré, toi. Vous savez que toute la nation d'Israël n'a pas reçu le message que Jésus a envoyé. N'est-ce pas? Israël n'a pas reçu le message. Israël a reçu le message. Il y en a qui ont refusé de croire en lui. Toute la nation d'Israël n'a pas cru. Certains ont refusé. Voilà. Ceux qui ont refusé, là, ils ne seront pas sauvés. Voilà. Ceux qui ont cru en Jésus, ils seront sauvés. Donc, quand vous dites que la mission de Jésus se limite seulement quand en Israël là, mais c'est pas vrai. C'est Jésus même qui a dit. Je viens. Attends, tu dis que c'est vrai, non? Je dis. Il faut donner le micro là, prochaine question. Tu dis c'est vrai, après tu dis c'est pas vrai. Tu dis nous les chrétiens, on n'en discutait pas. C'est vrai. Mais tu dis c'est pas vrai. Il faut donner le micro là. Il est 17h45 minutes, pardon. Donne le micro là. Prochaine question. C'est pas facile, hein, s'il vous plaît. Prochain intervenant, s'il vous plaît. C'est sérieux, demandez. Voilà, l'appel, hein, on vous rappelle simplement que jeudi prochain, oui, appel série. C'est sérieux, demandez pour sa question. Jeudi prochain, nous ne serons pas là, nous serons en partance pour Issia. Et je profite également pour saluer mon ami et imam Kalo Hassan, depuis Mans. Voilà, donc imam, salam alaikum à toi. Kala te récompense. Kalo Hassan, depuis Mans. Également, le 27 octobre, Inch'Allah, nous serons à Boaké. Hein, du 27, je crois, au 30, nous serons à Boaké, Inch'Allah. Et ensuite, nous allons revenir du 1er novembre jusqu'au 15, par là, nous serons en Guinée. Il y a 4 villes qui sont prévues là-bas. Il y a beaucoup de débats qui sont prévus. Il y a les Camerounais également qui nous attendent, etc., etc. Donc, à la facilité d'être arrivé en Guinée, voici un peu le programme. Donc, jeudi prochain, nous ne serons pas là. Donc, jeudi, sur prochain, nous serons là pour 2-3 jeudi. Et puis, on repart en tournée. Bonne arrivée, frère. Bonsoir. Bonsoir, ordinateur. Bonsoir, cher ami. Ordinateur, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ouais, ça va très bien. Ça fait longtemps qu'on se voit. Oui. Question-réponse. Bon, j'espère que on va dépassionner le débat. Et que on soit des responsables et que nous parlons sinon des responsables par rapport à ce débat très important. J'ai béni mon frère qui est passé tout à l'heure, qui a été, qui s'est converti à l'islam, n'a jamais été chrétien. Frère, voilà. Pourquoi te juger? Tu es là pour poser la question. Allons à l'essentiel. Voilà, je vais à l'essentiel. C'est la vie du frère là. Voilà, on va à l'essentiel. La religion musulmane en elle-même, elle n'est pas hypocrite. Mais les pratiquants sont tous des hypocrites. Et je vais le prouver. Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Je vais pas les jours. Je vais vous le prouver. Écoute d'abord. Je vais vous le prouver. Tu ne doutes pas en ta roche micro et tu n'as pas quelqu'un de d'abord. Tu viens d'abord. Et puis tu fais ce que tu veux comme ça. Vous êtes un doyen. Quand vous rentrez dans un public, écoutez bien. Voilà, attaque-lui. Silence, s'il vous plaît, écoutons. Calmez-vous, les frères. Doyen. Attaque-lui! Écoutons s'il vous plaît! C'est ça l'éducation musulmane et la différence et les autres également. Je vois les musulmans, malgré que ce que tu as dit, ils sont calmes. D'accord, toi. C'est lui qui sait, lui, c'est lui qui ne sait pas là. Ils ne sont pas même chose. Toi. Mais on va t'expliquer. Soit 25, verset 63. Calmez-vous d'abord. Va dans le hockey ici. Toi. Et assez, je suppose que cela demande assez de sagesse. Normalement. C'est-à-dire, quand on vient dans un public, il y a des propos qu'on évite de tenir. Pourquoi? Pour la sensibilité. C'est-à-dire que pour donner au moins l'atmosphère la plus. En tout cas, la chose la plus paisible qu'elle soit, même si on n'est pas d'accord. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas rentrer dans un forum où il y a une multitude de personnes et dire que eux tous sont hypocrites. Tu ne peux pas attaquer toute une communauté, taxer toute une communauté d'hypocrites parce que toi, tu aurais des arguments à démontrer. Ce n'est pas comme ça. Ça, c'est un manque de sagesse.
Je m'en excuse. Voilà. Prochaine, vous dites. Je m'en excuse. Pour gagner du temps, je m'en excuse. Donc, alors, on veut que non. Dans votre suite, il n'y a pas de propos désagréables. Je vous rappelle que c'est la série des questions-réponses. Je m'en excuse. Donc, quelle est votre question? Quelle est votre question? Avant de poser la question, la sourate 41.3 nous dit que le Coran est un livre dont les versets sont détaillés et clairs et exposés. La sourate 5.3 nous dit que le prophète dit qu'il a parfait la religion. Maintenant, le Coran nous parle de deux grandes fêtes. On va devenir sur la divinité du Seigneur. Je vais d'abord parler de l'islam. Le Coran nous parle de deux grandes fêtes, la petite fête et la grande fête. La petite fête, qui est la fête du Ramadan, qui est fêtée après la fête de purification, dans le Coran 2, verset 185. Si je suis trompé, vous pouvez me rectifier. Et la grande fête, qui est la fête de la tabaxi, la fête du sacrifice, du Coran qui nous parle du Coran 108, verset 2. Si je me suis trompé, vous pouvez me rectifier. On constate que la plupart des musulmans fêtent la fête de Mahmoud. Mahmoud, vous pouvez me rectifier, c'est Mahmoud, c'est fier, c'est concerné. C'est pas nous de rectifier, vous avez quitté pour venir à Zara, c'est là-bas, on doit rectifier. Non, c'est pas Isaac, arrête le discours. J'ai dit, je peux te conseiller, bon, après ça, la fête de Mahmoud. Cette fête qui est célébrée par certains groupes de musulmans qui fêtent l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Certains musulmans. Je peux me tromper. Hein. J'ai fouillé dans le Coran. Je n'ai pas vu cette fête. Ordinateur, la plupart que je l'ai croisé à celui-ci, il m'a présenté sa femme. Et c'est la même que j'ai toujours. Voilà. Non, je viens. La question, c'est quoi? Du juste la question maintenant est quoi? Je n'ai pas encore pris le deuxième. Mais sinon, voilà, la question est que. Pourquoi? On est sur le côté de Sinaï, tu viens m'expliquer, me graisser avant d'aller sur la religion chrétienne. Pourquoi certains groupes de musulmans ne fêtent pas cette fête et certains groupes de musulmans la fêtent? Ah, d'accord, merci beaucoup. C'est la question qui est là, non? Oui, il va y avoir une question. D'accord. Merci, toi. Hein. Bon, il fallait juste poser ça. Tu es parti quand dans la famille de Chao. Je veux maintenant, comme vous avez touché certains groupes de musulmans, moi aussi, je vais toucher aussi certains groupes chrétiens. On est sur le côté islamique. Oui, c'est sur le côté islamique là. C'est sur le côté même l'islamique là. On est dedans. Je vais dire quoi? Moi aussi, je vais mettre dans votre peau. C'est-à-dire, moi aussi, je vais taxer les autres, ou du moins la grande majorité, d'hypocrites. Parce que quand moi je lis la Bible, il n'y a jamais vu un verset où on dit d'aller dimanche à l'église. Mais vous partez, non? Si tu réponds à ça, tu auras la réponse de Maouloud là aussi. Okay. Salut, ton frère. Je pense que Ismaël Isaac. Ismaël Akar. Je pense que Ismaël Akar veut dévier le débat. Il veut dévier le débat parce qu'il ne répond pas. Parce qu'aucun passage du Coran. Non, on a su le dévier. Mais c'est que tu nous reproches là. Non, allons tout doucement. Ismaël, allons-y doucement. Je connais tes deux civils, je connais tes dépassations. Et dis, aucun passage du Coran ne parle de cette fête. Nous, on dit oui. Mais je viens. Vous dites oui. 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 Maintenant, on dit aussi. Non, laisse-moi terminer. Non, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Qu'est-ce que je veux vous dire? Votre réponse, la question que vous posez là, ce n'est pas une question étrange. C'est pas une question étrange. Je viens, j'ai fini. Je vais dire ce que vous dites là. Mais tout le monde sait que Maouloud est les gens qui fêtent. Et puis il y en a qui fêtent. Et pas d'autres qui fêtent pas. C'est comme 31-24 là, est-ce que c'est public? Tu vois, mais vous fêtez. Les chrétiens là, ils célèbrent 24, non? Noël là, non? Est-ce que c'est public? Donc vous laissez faire les fêtes. Ça ne fait pas d'eux. Écoutez, Noël, c'est pas parce qu'ils fêtent Maouloud qu'ils sont non musulmans. Ça n'a rien à voir. Il dit, ici là,
venez nous parler d'un sujet important. Mais si, attendez, je vais finir. Même quand vous voulez parler de l'islam, là, touchez les points qui touchent notre foi. Ou le salut. C'est ça qui est important. Laissez Ismaël Aka chercher une go claire. Non, ça c'est pas important. Les gens s'en foutent de ça. Ismaël Aka. J'ai fini, doyen. Si, il y a des gens qui fêtent Maouloud. Et puis d'autres ne le font pas. La question c'est de poser, c'est de savoir est-ce qu'ils sont toujours musulmans ou pas. Ils sont musulmans. Maintenant s'ils sont musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Attends, j'ai fini. Doyen, j'ai fini. Vu que par exemple, moi par exemple, je ne fais pas Maouloud. Donc ce que je vais t'amener à faire, il faut aller poser la question à un gars qui fait Maouloud. Tu lui demandes pourquoi il fait et où il l'a enlevé. Et puis il va t'expliquer. Ici là, nous deux, on ne fait pas Maouloud. C'est ouvert. Ok. Ismaël Aka, lui, il fait mal. Donc après, Ismaël Aka, s'il te plaît, ordinateur, s'il te plaît. S'il te plaît. Pose question là. Sur là. Mais c'est là. Ah, si je suis venu, si je suis venu vers vous. Il y a beaucoup de personnes qui ne disent pas. Il va venir après. Mais si je suis venu vers vous pour vous parler de l'islam concernant cette fête, oui. C'est parce que vous-même, en tant que musulman, vous n'avez pas réglé ce problème que vous venez vous habiter pour parler de ça. C'est pas un problème chez nous. Chez nous, c'est pas un problème. Nous ici là, hein. C'est pas un problème. Donc, laisse ça. Bon. Laisse ce qui n'est pas alors, maintenant, un problème là. Alors maintenant, moi, un problème. Ok. Là, je suis convaincu, je suis content de ce que vous, vous reconnaissez qu'entre vous-même là, ça va pas. Donc, il faut reconnaître qu'entre vous là, ça va pas. Ouais, ça va pas. Non, pour nous là. Finalement, on sait, tout le monde sait que ça va. Monsieur, monsieur, attendez. À un moment donné, ça va pas chez nous. Attendez. Moi, je ne vous comprends pas. Hein. Donc, vous venez, en fait, ton objectif, c'est de venir montrer aux gens que les musulmans divergent sur certaines choses. Il t'a dit que chez nous, on ne cache rien. Et, attends, je vais finir. Même si Jésus, il y a d'autres qui croient que Jésus est mort, il y a d'autres qui croient que Jésus n'est pas mort. Mais on a tous plus. Quand il a dit, quand il a dit, allez, salat, nous tous on s'en prie. Du jus de la tchadouba, nous tous, Maouloud ou pas Maouloud, on s'en prie. Maintenant, le problème, attends. Le problème entre vous et puis nous, là, après, vous venez forcément dire, voilà, hein. Oui, c'est vrai, moi je sens mauvais, mais toi aussi tu sens mauvais. C'est ce que tu viens de dire faire. D'abord, à la base, nous là, le problème des musulmans là, je vous dis, le problème des musulmans là, si on veut signifier les problèmes, c'est dans le comportement de chacun. Pour dire comporte-toi bien, mais quand tu es dans l'adoration, vous n'avez aucun. C'est que vous ne pouvez même pas montrer une seule défaillance. Pourquoi? Parce que montrez-moi un musulman au monde qui dit que Allah n'est pas son créateur. Tu es chrétien au moins que Dieu n'est pas son créateur. Non, Jésus. C'est Jésus qui est votre créateur. Dis Jésus. Ok. Bon, Ismaël Isaac. Ah, bon. Non. On va avancer. Ismaël, bon, pardon. Ismaël. Ismaël, on va avancer. Voilà, on va avancer. Allons en rapide. On va avancer. D'accord, avançons. On va avancer sur la divinité du Seigneur. Voilà. De quel Seigneur? Ça commence comme Jésus-Christ, mon Dieu, le créateur existant. En tout cas, c'est toi ton Dieu. Moi, mon Dieu, okay. Ce n'est pas ton Dieu, mais je vais te demander par absolu dans le Coran et la Bible qui confirme que Jésus est Dieu. Je vais te le demander. Amalo, c'est pas la même chose que tu es dedans avec toi. Il ne sait pas qu'on est quitté à Bandoukou. Non, tu es quitté à Bandoukou, mais c'est qui t'a habité ici. C'est pas quand tu es pas à Bandoukou, tu es influencé. On se connaît. Est-ce que tu es prêt à être honnête? Ici, pas c'est quoi, il y a un verset biblique là. Vous êtes tous témoins. Hein? Allons-y. Mais ça commence, mais vous laisse. La divinité du Seigneur. Il a mis dans quel là. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Voilà, Ismaël, et quand on fait ça? Ordinateur. Je t'ai pris sur le nom d'ordinateur, on se connaît. C'est pas Ismaël qui te prenait avant, tu te prenais une personne. Ok. Ecclésias 7, verset 20. Ecclésias 7:20. Il n'y a point de juste sur la terre. Il n'y a point de juste sur la terre qui ne pêche point, qui fasse le bien. Ordinateur. Ah, tu peux t'appeler ordinateur. Alors attends, on se connaît. Maintenant, surat 17, verset 27. Comme il dit ordinateur. Allons-y, je te coupe. Non, faut parler. Non, il faut lire, on gagne le temps. Voilà. Ah, surat 17, verset 27 dit, le diable est très ingrat envers son Seigneur. Surat 14, 34 nous dit, l'homme est vraiment très injuste, très ingrat. C'est-à-dire que le Coran compare le diable avec le Coran, compare son Seigneur. On est dans la divinité comme ça. Voilà, dans la divinité. Hein.
On a dit il faut aller directement. Il y a beaucoup de questions. Mais c'est sur lequel je m'en fais pour parler. En fait, le temps ne nous permet pas. C'est fait, c'est dit qu'il n'est pas terminé. Je vais dire. Il est venu pour terminer. Laisse-moi juste la question sur laquelle m'a appuyé pour parler. Allons rapidement. Voilà. Maintenant, je vais terminer par le surat 18, verset 119 dit que le prophète Mohamed est un être humain comme nous. La Bible dit que Jésus aussi est un être humain. Surat 40, verset 55 nous dit. Il fait comme s'il n'entend pas. Implore le pardon pour ton péché passé. Ton péché, voilà. Merci beaucoup. Surat 40, verset 2 nous dit Allah te pardonne de tes péchés. Futur et présent. Les gars, c'est un face à face. Ok. Vous savez, la Bible dit, dans Jean 8, 46, ordinateur, Jésus n'a jamais péché. Jean 8 l'a dit, non. Jean 8, hein. Jean 8, 46 dit, Jésus n'a jamais péché. Mais la Bible il dit, qui me convaincra du péché? C'est ce qu'il me dit qu'il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Il y a des prouvés qu'il a péché selon la Bible. Maintenant, verset. Jean 25, 4, s'il vous plaît. Il t'a demandé d'être honnête. Ouais, on va essayer. Job 25, 4, Job 14, 4. Après, on va tourner le côté. Job 25, 4. Job 25, 4. Vas-y, frère. Job 25, 4. Oui. Comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu? Oui. Comment celui qui est né de la femme sera-t-il pur? Non, attends. Jésus-Christ est né de la femme ou pas? Il est né de la femme, il n'est pas côté de la Bible le dit. Donc, est-ce que le Coran même dit aussi? La Bible et le Coran le confirment. Avec vous là, doucement. Est-ce que quelqu'un peut naître d'une femme être pur selon Job 25:4? Tu poses la question? C'est ça. Oui. Si un homme peut être pur selon Job 25:4, comment l'homme serait-il juste? Celui qui est né de la femme, comment il serait-il pur? Alors que Jésus est né des femmes, comment il peut être pur? Selon Job 25:4. Je te réponds. Réponds. Pour te dire que oui. Si Jésus avait une semence humaine, c'est un homme. Non, je viens. Je te réponds. Pour te dire que selon le Coran, selon la Bible, il te dit que Jésus est né sans père. Je suis d'accord. Tu es d'accord, moi? Oui. Maintenant, si Jésus est né sans père, il n'a pas péché. La Bible. Non, je viens. Lisez Job là. Lisez pas doucement. C'est moi ici la Bible. L'origine. L'origine du péché. On n'a pas parlé de l'origine du péché. Doucement. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Marchons. S'il vous plaît. Et habite à s'il vous plaît. Job 25. Dites doucement. Job 25, 4. Job 25. On va relire le verset. On écoute la question et puis on attend la réponse. Disons Job 25. Oui. À partir du verset 4. Oui. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment l'homme peut être juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? On n'a pas dit celui qui est né de l'homme et la femme. On dit né de la femme. Jésus est né de femme, non? Qu'est-ce qu'il peut être pur selon ce verset-là? Voilà. Qu'est-ce que la Bible et le Coran le dit? Non. La Bible et le verset-là. La Bible et le Coran le dit. Je vais répondre à la question. Il dit. Il n'a pas dit, il dit selon le verset. Selon le verset. Selon le verset, ton estimation ne pouvait pas. Faut pas te blesser. Selon ce verset, non, regarde. Selon le verset, oui. Selon le verset, il y a un contrat. C'est que la Bible donne. Moi, c'est la Bible de contrat. Quand il la Bible, selon le Coran. Selon le verset, la Bible dit une femme, un homme qui est né d'une femme, il peut être pur. Donc, est-ce que Jésus est né d'une femme? Une question, laisse-moi terminer. Maintenant, est-ce que Jésus est né d'une femme? Attends, on se connaît, laisse-moi terminer. C'est pas connaissance, on a toutes les connaissances. Laisse-moi terminer. Non, pose une question. Termine dans la question, on n'a pas d'interprétation. On n'a pas d'interprétation. Réponds. Donc, si vous n'avez pas la réponse, on va partir à autre chose. Ici, selon le verset, attends, tu vas parler. Le Coran est la Bible dit. Ouais, attends, je suis dans le Coran. Qu'est-ce que tu as dans le Coran? Tout ça, attendez. Il dit, le Coran et la Bible dit, tu as raison. Mais il dit, selon le verset là. Selon le verset ça là. Le verset qui est là. On veut savoir, est-ce que Jésus peut être pur s'il est né d'une femme? Selon le verset là. Petit, dis donc. On n'a pas dit Bible, on dit petit verset. Job 25. Réponds encore. Job 25, verset 4. Oui. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Oui. Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Question-réponse. La question te pose par rapport à la réponse. Oui. Est-ce qu'un homme peut naître d'une femme sans un homme? Oui. Oui. Jésus. Jésus. Oui. Maintenant, l'homme qui donne la semence à la femme. Pas la femme ne conçoit pas, c'est la femme qui parle. Il dit Jésus est né sans je papa. Viens, je viens. Je réponds à ta question. Faut répondre. L'homme, est-ce que l'homme peut naître d'une femme sans un homme? Oui. Jésus. Oui. Ça, c'est le cas de Jésus. Maintenant, un cas général. On parle pas de Jésus. Non, on est pas sûr. Non, moi, je parle pas de Jésus.
de Jésus. Non, 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 on parle pas de ça. On parle de Jésus. C'est ça, tu dis maintenant que Jésus là, il est sans péché. Maintenant, est-ce qu'il est né d'une femme? Il est né d'une femme. Est-ce qu'on peut naître d'une femme et puis être pur selon Dieu? Jésus seul. Jésus seul. Bon, avant de passer à on est en train de passer encore. Maintenant, tu parles de purité maintenant, non? Voilà. Tu dis Jésus qui c'est Dieu, non? Alors, ça. Tu es sûr? Je suis sûr. Il faut me lire Jean chapitre 17, verset 3. Vous n'avez pas de bifolie. Allons à ça, les gars, rapidement. C'est, on lit Jean 17. Et puis prépare-moi Jean 8, 40 dans la pomme. Voilà. Dans la pomme. Jean 17. Jean 17. À partir du verset. Ordinateur. Allons-y. Jean 17, 3 dit quoi? Jean 17. Je te rappelle que c'est Jésus qui dit 3. Oui. Or, la vie éternelle. Pour obtenir la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, toi te connaître. Le seul vrai Dieu. Qui est le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Et puis connaître celui que tu as envoyé. Son nom, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Selon Jean 17, 3. Il est Dieu ou bien l'envoyé de Dieu. Selon Jean 17, 3. Il n'est pas dit. Selon Jean 17, 3. Il n'est pas dit selon toi. Selon Jean 17, 3, il est Dieu ou bien l'envoyé de Dieu. Caméraman, zoomez un peu mon doigt. Que vous résumez? Ordinateur. Ordinateur. Je pense que tu es de Dieu. On parle du péché à toi. Tu es de Dieu. On n'a pas parlé de ta tête de Dieu. Je te dis, la Bible dit que Jésus dit qu'il n'a pas péché. Le Coran dit. Ouais, si tu le prophète. Non, tu peux prendre. Non, parce qu'on est pris. Je pose la question. C'est toi-même qui as dit divinité, non? Laisse-moi te. On a sur le côté d'avoir. Non, tu as dit divinité, non? On a sur. Faut pas. C'est parce que tu es pas honnête. Tu es venu là. On ne pas la question. Il est sans péché là. Toi, tout le monde, on sait que tu as raison. Jésus est sans péché. Mais il dit. Tonton, quel est là? Il dit. Tonton, attends. Il dit. Comme tu veux montrer que Jésus est Dieu là. Lui, il veut gagner. Attends. Il a cité un verset. Et puis il dit quoi? Selon ce verset là, Jésus est Dieu ou bien l'envoyé de Dieu? C'est ce qu'il faut savoir. Selon le verset. Selon le verset, faut répondre à ça d'abord. Ordinateur. Je pense que. Bye bye, quoi. Non, s'il te plaît. Ah, parce qu'il faut répondre. Non, s'il te plaît. Je pense que. Tu as fait le débat. Prochaine question. On a su la question. On va prendre quelqu'un d'autre. De... la purité de la divinité. Je l'ai passé ici. On est dessus. On n'a pas quoi. Tu parles d'autre chose et tu dis que le Coran dit, le prophète Mohamed, le mot péché est le mot repentance attribué sur lui. Donc, la Bible dit, oui. La Bible dit que Jésus est sans péché, il est né pur. Je veux savoir. Le Coran dit que Jésus est né pur. Ouais. Et le Coran dit que Allah est pur. Je veux savoir, toi. Donc on est sur la pureté, on n'a pas quoi dans la tête. Attendez, écoutez-moi, toi. Normalement, là, quand vous êtes venu là, vous n'avez pas dit que vous allez montrer que Jésus est pur. Hein. Vous dites, vous allez montrer que Jésus est Dieu. La dignité de mon Seigneur. Vous dites que vous allez montrer que Jésus est Dieu. Si vous, vous voulez prendre côté pur, lui peut prendre côté où il veut. Mais lui dit, il a lu un verset de la Bible. Il veut savoir Jésus s'est présenté en tant que qui là. Tu n'as qu'à répondre à cette question. Attendez, pas fini. Non, si répond pas. Vous répondez à sa question et puis vous aussi. Il va répondre. D'accord, il dit. Lui, il n'a pas répondu à ma question. Non, avant les puits, là, il dit. Attendez, avant les puits, là, vous n'avez pas entendu dessus, non? Mais là, lui, il dit, bon, d'accord, avant les puits, la leçon. Lui, il dit. Pourquoi on va laisser? Mais tu ne peux pas répondre. On dit que si quelqu'un d'une femme ne peut pas être pur. Tu as souhaité, il te dit que. Et puis, tu dis, sauf que c'est pas écrit. Le Coran dit à ton prophète, là. Ouais. Le mot de partage est péché à tuer sur lui. Ouais, je veux savoir. Et la Bible dit. La Bible, le Coran dit, Jésus est né, est un enfant pur, il est né pur. C'est ce que la Bible dit. Mais la Bible te dit que Jésus est sans péché. Restons sur le contexte, retournons la Bible et du Coran qui prouve que Jésus a le mot péché ou le mot de partage. Si tu me réponds pas, tu vois. Il y a même ma bouche, mais toi, moi aussi, il te dit aussi pour me montrer dans la Bible où on dit Marie a péché, puis Jean-Baptiste a péché aussi. Pour me montrer dans la Bible, on dit mon péché les deux. Marie et puis Jean-Baptiste. Je te pose cette même question. Je te pose la question. Non, je te pose même cette question. Une question, pas une question. Je te pose même cette question. Toi, Israël, là, t'es là, là. Qui peut te montrer du doigt que t'as péché? Je veux dire, moi, je dis rien. Tout le monde sait qu'il y a péché. Même si on veut dire, même si on ne sait pas, on m'a pas vu péché, mais tout le monde sait qu'il y a péché. Je veux savoir. Toi, t'as vu la vie de Marie et Joseph. Attends, je veux savoir. Est-ce que la. Tu n'as pas dit Jésus est le seul but. Je veux savoir. Est-ce que dans la Bible, là, il y a péché de Jean-Baptiste là-bas? Mais si le mot péché est fait, la Bible dit. Aucun homme n'est juste sur la terre. Est-ce que je suis un homme? Même le Coran. Est-ce que je suis un homme? Il est homme Dieu. Prochaine question. Homme Dieu.
Je dis prochain, on ne sera pas là, on va ici à la grâce d'Allah. Moi qui se prépare pour le 25 octobre, novembre, début novembre, la Guinée se prépare. En décembre, Divo et Djekano. En janvier, Inch'Allah, on va avancer. Oui, c'est bon, ami frère, allons rapidement. Le frère, venez lui asseoir. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très bien, par la grâce d'Allah. Ok, par la grâce de Dieu, de mon Seigneur Jésus-Christ, je vais très bien. Ok. On t'écoute une question. Je suis là aujourd'hui pour répondre toujours à la même question où j'avais posé sur l'adoration. Et donc vous avez, disons, nous avons attesté que l'adoration, c'est l'obéissance à la parole de Dieu ou à la voix d'un esprit. Et vous avez attesté selon Genèse 22, 5 que j'avais donné. Ok. Donc, comme vous avez dit, vous avez pris aussi un passage où vous avez dit que Jésus partait prier et donc c'était aussi la forme de l'adoration, la prière, tout ça. Donc, j'aimerais que vous preniez Sourate. Où le prophète puisse, si à la, où à la puisse le prophète. Prenez la Sourate, s'il vous plaît. 33:56, non? C'est ça, non? 33:56. Ah, où t'as dit toi là? Nous, on a dit. Maintenant, on allait en-dessous de ça, au-dessus de ça. Voilà. Toi-même, tu as lu et puis tu as aimé. Non, vous-même, vous allez lire. Non, vous-même, vous lisez. Vous avez un lecteur. Hey, frère. Vous avez un lecteur. En fait, écoute-moi. C'est pourquoi tu as donné des livres. Parce qu'il y a un élément qui est important que tes yeux doivent voir. Voilà pourquoi tu as donné des livres. Maintenant, si tu ne veux pas, nous, on prend quelqu'un d'autre. Chap. Non, vous pouvez lire. Faut lire. Même si tu n'attrapes pas, faut lire. Faut pas attraper, mais faut lire sur moi. Non, je vais lire. Non. Je vais lire dans moi-même. Non, on est dans le physique. Non, je lis dans moi. Voilà, lis dans toi, tu vas voir. Lis. Fini de lire, puis on voit quelque chose. Avec vous, le problème, c'est que non. Vous ne savez pas quelle âme. On a. Pendant que toi tu as 72, nous on a 76. Donc quand tu viens pour moi, tu es perdu. On t'attend, vas-y. 7. Hein? Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Quelle est ta question? Alors, comme vous avez confirmé que l'adoration est l'obéissance à la parole, comme j'avais donné, Genève 22:5. Et vous avez dit aussi que la prière, tout ça, est la forme d'adoration que vous inculte à Dieu. Alors, selon ce passage, on nous dit que Allah et ses anges prient sur le prophète. Donc, Allah est en train d'adorer. Et si Allah adore, au nom de quelle divinité il adore? Excusez-moi, attendez s'il vous plaît. On va continuer. Et oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Ok. Ici, j'aimerais qu'on prend le livre de Deutéronome. Non, ne prends pas Deutéronome là, faut lire ça là d'abord. Et c'est pas vous nous prenez pour qui même. Quand toi tu vois foule qu'elle a, tu peux dire nous maramailler pour partir vite. Je ne suis pas venu te maramailler. Je ne suis pas venu te maramailler. Pourquoi il dit ça? Arrête de dire, je suis venu te maramailler. Je vais dire ma parole. Ok, merci. Je vais dire, ouais, Dieu Père, comment toi tu as venu, tu donnes un texte, tu laisses une ambiguïté, puis tu es fion carré dans Deutéronome. On fait pas ça à nous. Quand tu as posé la question, que Allah il adore qui là? La réponse est devant tout un juge, il faut lire. Non, c'est à toi de donner. Hein. Voilà, c'est à toi de donner. Devant toi. Non, faut pas lire. Il va lire. Lui-même, okay. Il a carrément. Ça a sorti de sa propre bouche. Quand ça sort de sa bouche, ça reste dans sa tête. Non, il faut lire. Si tu veux pas lire, on prend quelqu'un d'autre. Il faut lire.
Ok, prochaine question. Non, dans vous fuyez. Merci, c'est pas grave. Merci beaucoup. Laissez-le. Prochaine question. Est-ce que ça l'empêche ça? Il nous attrape devant là, pour nous frapper aussi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne montrez pas à quelqu'un. Laissez ça. Fermez, les gars, fermez, cachez ça. Regardez. On met nos pieds dessus, on les attend qu'ils viennent là. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, Lucas. Quelle est votre question? Pour ma question, c'est un verset du Coran qui me fatigue beaucoup. Allons-y. La sourate 3, verset 55 à 56. Oh, Alas, et rappelle-toi quand Allah dit Jésus. Certes, Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre et élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. C'est la même chanson. Voilà, c'est la même chose. Allons-y, on écoute. Quelle est la question que tu veux poser? Dans ce verset là, moi je comprends ma propre manière. D'accord. Lorsque Allah a dit que oh Jésus, fils de Marie, je me fie à ta vie terrestre et je vais t'élever au jour de la résurrection. Et tous ceux qui vont te suivre, et tous ceux qui vont croire en toi seront au-dessus de tous ceux qui ne vont pas croire en toi. Et tous ceux qui ne vont pas croire en toi, Allah va les châtier d'un dur châtiment. Mais ce passage-là, je veux une explication claire. Parce que je ne comprends pas pourquoi Allah dit que tous ceux qui vont suivre Jésus seront au-dessus de tous ceux qui ne vont pas suivre Jésus. C'est vrai. Merci beaucoup. Toi, au moins, tu as posé une question qui mérite qu'on te donne l'explication claire. Moi, je veux vraiment t'aider. Frère, c'est une très bonne question. Sauf que quand vous lisez le contexte, les gens qui vous donnent les versets, là, ils sont méchants à vous. Hein. Ils vous donnent simplement un verset sans pour autant vous expliquer le contexte, au moins pour que vous voyez clair. Là, au moins, quand vous allez venir nous poser la question, là, vous soyez prêts. Mais ils ne vous disent pas tout. Dans le contexte du verset là, Jésus s'adressait à qui? Alors vous devez faire la différence entre ceux qui ont cru en Jésus en son temps, c'est-à-dire les disciples, et puis ceux qui ont refusé de croire en lui parce que d'autres cherchaient à le faire mourir. En Israël là, il y avait deux groupes. Il y avait un groupe qui avait cru en Jésus, et puis un autre groupe des pharisiens et des principaux sacrificateurs qui cherchaient à le tuer. Ça peut c'est dans la Bible. Et puis tu vas voir que l'explication là, c'est dans le Coran, non? Et puis c'est dans la Bible, c'est clair même. Tu vois, donc ici dans le Coran, quand tu prends la sourate 61, à partir du verset, au dernier verset. Sourate 61, verset 14. Vas-y, écoute. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous, Dieu nous dit, oh, vous qui avez cru. Soyez les alliés d'Allah. Soyez les alliés d'Allah. À l'instar de ce que Jésus, fils de Marie. À l'instar de ce que Jésus, fils de Marie. A dit aux apôtres. Il a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés? Qui sont mes alliés? Pour la cause d'Allah. Pour la cause d'Allah. Les apôtres disent. Les apôtres disent à Jésus. Nous sommes les alliés d'Allah. Nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants d'Israël crut. Voilà. Un groupe des enfants d'Israël crut, c'est-à-dire les apôtres, ainsi que les autres. Vas-y. Tandis qu'un groupe nia. Tandis qu'un groupe ne croit, ne nia en Jésus, refusa de croire en lui. C'est ceux-là. Continue la suite, continue. Nous aidons donc. Nous, Dieu dit maintenant, nous aidons donc. Ceux qui crient contre leurs ennemis. Voilà, nous aidons donc ceux qui crient contre leurs ennemis. C'est-à-dire que c'est les croyants en Jésus qui seront au-dessus de ceux qui n'ont pas cru en Jésus dans son temps, ceux qui ont voulu le tuer. Mais ça là, Jésus a dit ça dans la Bible déjà. Allons-y. Matthieu 27. 28. Matthieu 19, verset. Tu vas voir ça dans la Bible, c'est clair. Et puis on va, moi-même je vais voir entre vous et nous là, qui suit Jésus réellement. Inch'Allah. Matthieu 19, verset 18. Matthieu 19, verset 27 et suite. Allons-y. Pierre prenant alors la parole lui dit. Ouais, mon frère, il faut bien écouter les mots. Hein. Pierre prenant la parole et puis dit à Jésus. Voici. T'as suivi. Quand sera-t-il pour nous? Quel sera notre sort maintenant pour nous? Jésus leur répondit. N'oublie pas le verset d'Allah. Je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Eux mettent jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. N'oublie pas cette phrase-là. Continue. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme viendra, allons-y rapidement. Au renouvellement de toutes choses. Voilà, on est au renouvellement de toutes choses, c'est-à-dire au jour de la résurrection. Au renouvellement de toutes choses, oui. Sera assis sur le trône de sa gloire. Oh, le Fils de l'homme, je serai assis sur le trône de ma gloire. Vas-y. Vous qui m'avez suivi. Vous qui m'avez suivi. Vous serez de même assis sur 12 trônes. Vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Tu vois. 12 disciples pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a 12 qui seront au-dessus de ceux qui n'ont pas cru.
Donc c'est les disciples qui ont cru en Jésus qui vont juger ceux qui n'ont pas cru en Jésus dans son temps. Maintenant, dans ta compréhension, en disant que c'est musulman et chrétien, c'est chrétien qui suit Jésus. Un, c'est pas vrai. Parce que les chrétiens, la plupart le prennent pour une divinité, pour un Dieu. Ça, ça fait un. Deuxièmement, Jean 5, 24, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Or, entre nous, musulmans et chrétiens, c'est nous qui suivons Jésus et ses enseignements. Parce qu'il a dit, il est un envoyé de Dieu, nous croyons en cela. Donc, quand vous venez dire, par exemple, il est Dieu, fils de Dieu, chose qu'il n'a jamais dit. Donc, c'est nous qui serons au-dessus même des chrétiens encore, si moi, je n'ai pas ajouté ça. Voilà. Maintenant, comme il est l'heure, on va se donner rendez-vous la semaine suivante prochaine. On ne sera pas là jeudi prochain, Inch'Allah. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Ashhadu. Anna. Muhammadan Rasulullah. Salam alaikum frère. Comment tu vas? Alhamdulillah. Voilà, aujourd'hui vraiment la DDR a beaucoup donné à Figaro. Qu'est-ce que tu as pu retenir aujourd'hui? Et alhamdulillah, nous avons retenu les enseignements. Merci Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grâce. Vraiment, nous sommes toujours baignés dans la science. Et c'est pour ça qu'Allah les donne de longues vies. Qu'Allah augmente encore leur connaissance. Amin ya Rabbi. C'est ça, merci beaucoup. Alors, salam alaikum frère. Salam alaikum frère. Comment tu vas? Alhamdulillah, je vois que tu es joyeux. Qu'est-ce que tu peux dire ce soir? Alhamdulillah, rien de social. On a constaté tout. On a vu que les états de Gosa Samari Ismaël Lakar, ils ont plus de connaissances sur d'autres religions. En plus de cela, ils ont plus de connaissances sur eux-mêmes la religion. On a pu permettre à d'autres personnes qui n'ont pas, qui ne sont pas dans notre religion, qu'ils puissent intégrer la religion. Merci beaucoup. Donc nous sommes fiers d'eux. Car ils donnent longue vie, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam. Tu as écouté la prêche aujourd'hui? Vraiment, je sais écouter. Comment la prêche là t'as fait? Vraiment, c'est fait. T'as fait du bien. Important. Ok, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Que Dieu nous donne longue vie, que Dieu nous donne aussi longue vie. Vraiment, nous sommes contents. Et tout le monde a venu nous aider dans le musulman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Vas-y, dis des mots. Bismillah. Salam alaikum ma soeur. Comment tu vas? Tu peux nous dire des mots, Inch'Allah?